you up to the devil. I never know what mood you be. He might be kind of a fool to me. I'm walking away now. One step forward and back three. Bonjour à tous et bienvenue à la 56e édition du podcast. Aujourd'hui, je parle de trois films encore en scène avec Le Loup de Wall Street de Martin Scorsese, Dungeon, le premier essai de Joseph Gordon-Levitt à la réalisation, et enfin Touch of Sin qui avait gagné le prix du scénario au dernier festival de Cannes. Dans la seconde partie de l'émission, nous évoquerons Une étrange affaire de Pierre Grenier de Fer qui sera notre découverte du mois, sans oublier les conseils de l'émission. Avec nous aujourd'hui, on a Kit Bush. Salut. Jet Trigado. Salut. Jack Spratt. Salut. Et moi-même, Logan. Mais on commence comme d'habitude avec les, ou plutôt la sortie Blu-ray de la semaine, puisqu'on va parler du coffret Blu-ray Zatoichi qui est sorti chez Criterion, et c'est Jet qui va nous en parler. Bah ouais, c'est le dernier gros coffret luxueux pour ces fêtes de fin d'année. Alors bon, c'est uniquement disponible aux States et malheureusement Zone A, donc ceux qui n'ont pas de lecteur des zones, bah, ils en seront un peu pour leur grade. Mais bon, vu qu'il s'agit de Criterion, quand on connaît leur réputation, bah, on se doute bien que la qualité elle, va être au rendez-vous. Bon, comme il y a beaucoup de films et qu'il faudrait une émission entière pour tous les survoler, je vais juste rappeler sommairement ce qu'est la saga Zatoichi et parler de la technique et des bonus. Donc Zatoichi, c'est un des héros les plus populaires du folklore japonais. Un masseur aveugle, adepte du sabre et joueur invétéré, dont la première aventure a été tournée en 1962 par le grandiose réalisateur Kenji Mizumi, qu'on connaît notamment pour Baby Cart. Le personnage de Zatoichi, il plut tellement au grand public, on peut vraiment parler de succès populaire, que les producteurs ont très vite embrayé sur des suites, tournant avec le seul acteur Shintaro Katsu pas moins de 25 films jusqu'en 1973, vous imaginez la cadence de travail. L'acteur ne lâchera pas pour autant le personnage puisqu'il continuera à exploiter Zatoichi à la télévision nippone. Il tournera pas moins de 100 épisodes dont il assurera souvent la mise en scène et l'écriture, preuve qu'il reste lié à l'instar du public à ce personnage sans attache, possédant sa pardon mais se rangeant toujours du côté des plus faibles. Zatoichi sera aussi plus tard remis au goût du jour, bien des années plus tard, par l'illustre Takeshi Kitano, pour un résultat qui n'aura, on peut le dire, plus aucun rapport avec le Zatoichi de Katsu. Alors pour revenir au coffret, c'est la présence des 25 sur les 26 films de la série. Faut noter que la tentative de comeback de Shintaro Katsu en 89 a été malheureusement ignorée de ce coffret pour une raison que j'ignore totalement. Alors qu'en France, Wildside n'avait sorti que 14 films, même si c'était focalisé sur les opus, on va dire, les plus importants en termes de qualité pour limiter, je pense, la casse d'un point de vue commercial. Parce que bon, voilà, je pense que vendre 26 films de sabre japonais à un public français qui n'est pas forcément attiré par ça, je pense que c'est vrai que le coût derrière est quand même assez important, donc moi pour le coup je les blâmerai pas parce qu'ils ont quand même bien fait d'en avoir sorti. Puis surtout depuis l'annonce de l'éditeur français qui ne remettrait pas le couvert pour une réédition HD, Manuel Chiche avait dit qu'ils ont laissé tomber les droits, donc pour l'instant en France il n'y a pas de Zatoichi en HD, donc cette sortie risque d'être une exclue pendant un bon moment. Et enfin le package est d'une finition rarement vue, même chez un éditeur comme Criterion, avec un visuel coloré façon manga qui colle vachement bien à l'esprit de la saga. D'ailleurs c'est, je pense, qu'ils ont repris un peu le design du manga Zatoichi, parce qu'il n'y a pas longtemps, je crois il y a 2 ou 3 ans, ils ont commencé à lancer une série de manga, et il me semble que c'est pratiquement le même design en fait, donc c'est vraiment très respectueux du manga. Donc ouais, il y a un rangement à l'horizontale qui colle, voilà, qui est bien solide. Le livret de 100 pages qui est dans le coffret est aussi vraiment magnifique. Il est pourvu d'une sorte de couverture bien rigide façon bande dessinée franco-belge, comme ça, vraiment avec la grosse pochette en carton. C'est vraiment, voilà, bien solide, ça fait vraiment bel objet de collection. Ensuite, concernant les copies, ben l'éditeur il a fait le choix plutôt judicieux à mon sens du combo DVD plus Blu-ray. Donc, ça veut dire que tout le contenu sans exception est disponible sur les deux supports au sein du même coffret, contenant 9 DVD et 18 Blu-ray. Donc si vous n'avez pas malgré tout de lecteur pour lire les Blu-ray Zone A, mais que vous avez quand même un lecteur DVD désodé, vous pouvez quand même voir les films, l'intégrale de la saga, sans passer forcément par le Blu-ray, quoi. Même les bonus sont disponibles en SD. Donc vous aurez compris que
Chaque galette HD contient plusieurs films. En général, ils mettent 3 films sur un Blu-ray. Et pour avoir survolé les différents disques du coffret, je trouve qu'on est loin d'un rendu au rabais. Surtout que les films sont pas trop longs, donc tout l'espace disque est bien exploité et ça enterre sans mal les disques français qui avaient une compression, à mon sens, parfois hasardeuse. Enfin, concernant les bonus, on a pas loin de 2 heures de programme. Avec en morceau du roi un formidable documentaire d'époque d'une petite heure tourné en 1978, à l'époque où Shintaro Katsu enchaînait les tournages d'épisodes de la série télé Zatoichi. Il est suivi par un journaliste américain. Alors bon, moi je craignais que le témoignage soit un peu chiant, surtout avec la voix off au début qui te réexplique bien ce qui est Zatoichi, qui est Katsu, qu'est-ce que représente Zatoichi dans la culture populaire japonaise. Et en fait, très vite, ça se défait de tout ça pour aller vraiment vers le document brut de décoffrage façon les documentaires striptease où les images parlent avant tout. Au début, on voit vraiment Katsu comme un mec assez despotique sur le plateau, qui traite son staff vraiment à la dure. Il claque des doigts, on lui apporte sa chaise. C'est vraiment voilà un vrai petit prince sur le plateau. Et malgré tout, voilà, il gère les différents problèmes de tournage. Mais tout ça change très vite parce qu'il y a un moment au milieu du making-of, genre pendant une dizaine de minutes, on le suit à une soirée dans une boîte de nuit. Et le mec, mais il est raide défoncé, quoi. Il s'est torché la gueule et du genre à têter le saké à même la bouteille, quoi. Et il commence à parler aux journalistes et ça part dans des délires, il commence à raconter sa vie, à faire des digressions et le personnage il devient presque drôle, quoi, parce que tu te rends compte que le gars c'est un gros fêtard, il brûle un peu la vie par les deux bouts, quoi. C'est le genre de gars qui peut aller en mode de nuit jusqu'à 5h du matin et à 8h aller sur le tournage de son plateau la tête en vrac, quoi. C'est assez impressionnant. D'ailleurs, faut le voir, voilà, il y a un passage, on le voit arriver sur le tournage en train de cracher ses boyaux et paf, 5 minutes après, il y a des problèmes sur le tournage, le gars il doit à la fois apprendre son texte, gérer la caméra, gérer les acteurs, gérer le scénario, et tout en gardant cette lucidité, en sachant que le mec la veille il s'était mis 3 grammes dans chaque bras, quoi. C'est assez saisissant, quoi. Et ça montre aussi que Katsu, à force de jouer ce personnage là pendant des années, il rentre dedans en 2 secondes, quoi. Il arrive à jouer ce mec aveugle, à se battre toujours les yeux fermés, sans qu'on se dise ce mec là joue un rôle. Le mec il est Zatoichi, quoi. C'est vraiment assez saisissant comme reportage. Après, il y a encore une petite interview du réalisateur de ce making of là, qui dure une quinzaine de minutes, où il explique en gros voilà comment ça s'est passé avec Katsu, comment il était en dehors de la caméra. Il disait que le reportage qu'on a vu, c'est juste une petite partie de ce qu'il est capable de faire, quoi. C'est le gars, c'est un vrai fou, quoi. Il était capable il était accro à la drogue, des trucs comme ça. C'est vrai que c'est un personnage assez emporté, très très japonais. Et donc par rapport à ça, après il y a encore un autre petit document qui dure une trentaine de minutes. Là, c'est le spécialiste du cinéma asiatique Tony Raines. C'est un mec plutôt connu outre-Manche, qui organise pas mal de festivals de cinéma asiatique. Et là aussi, je trouvais ça vachement intéressant, même si là, pour le coup, j'ai eu un peu plus de mal à suivre le document, parce que voilà, comme c'est Criterion, il sous-titre pas les bonus, et comme le gars a un fort accent anglais, des fois, pour l'écouter, c'est un petit peu difficile, mais si on est assez courageux et qu'on maîtrise plutôt bien l'anglais, il y a moyen d'apprendre beaucoup de choses, d'autant que le gars est super pointu dans ses analyses et dans ses références. Donc moi, Criterion, il a vraiment sorti le grand jeu pour enfin voir dans les conditions qu'il faut pour mesurer la pleine dimension de cette saga populaire. Et c'est franchement accessible même à un public qui est pas forcément accro des films de sabre. Donc voilà, Zatoichi, c'est du lourd, mangez-en les amis, quoi. Il y a des films sinon qui valent le coup hors Wildside qui sont inédits, qui méritent d'être découverts ou pas du coup? Pour l'instant j'en ai vu que 2 qui sont sortis hors Wildside, et moi je trouve que ça vaut vraiment le coup, quoi. Je veux pas dire que c'est des grands films, mais on va dire que, comme dit, il manque 11 films. Donc 11 films, il y a quand même moyen, je pense, de dénicher de bonnes pépites là-dedans, quoi. D'autant que par rapport au prix du coffret, franchement, on est quand même assez gagnant, quoi. Je crois que j'ai payé environ 100€ le coffret, quoi. Yoann, Mizumi, on lui dit, parce que j'ai pas suivi. Non, ils ont sorti tous les Mizumi. Ouais, ils ont tous sorti. Hein. Ouais, non, c'est plus les films de réalisateurs un peu plus obscurs. Même s'il y a un Kazuo Mori qui est inédit. Kazuo Mori, c'est un petit peu un sous-Mizumi, pas dans le sens qu'il est moins bon, mais il est moins connu que Mizumi, mais c'est aussi un très bon formaliste.
Mais ouais, franchement, il y a moyen de faire de bonnes, d'avoir de bonnes surprises. Ok. Ouais, c'est moi, j'avais vu que les deux de deux, je sais plus combien il en a fait, mais souvent deux ou trois, je crois. Ouais, non, il en a fait plus, il en a, ah, fait, il en a fait plus. Il en a fait cinq ou six au moins. Ah bah, j'ai des conneries. Alors, bah, j'en avais vu deux, je crois, depuis que j'avais pas trop suivi. T'as vu lesquels? La saga, je veux dire. Je sais plus du tout. Ah, je sais plus du tout. Bon, non, mais Mizumi, ouais, il a réalisé les meilleurs avec eux. Il y a Kimiyoshi Yasuda et Mizumi. Ouais, comme... c'est sans dire de conneries, je suis un peu mon noob, mais ça suit pas en plus ces films. C'est épisodique en fait. C'est chaque fois une nouvelle histoire en fait. Ouais, c'est vraiment les sagas japonaises quoi. C'est pas des films qui se suivent, c'est chaque fois un nouveau film, une nouvelle aventure. C'est comme ça. Donc on va s'arrêter là-dessus pour les sorties Blu-ray et DVD de la semaine. On va maintenant passer aux sorties cinéma et on va commencer avec Dungeon et c'est Jack Sprat qui va s'y coller. What are you doing? I was just reading email. No, you weren't. She caught me watching porn. That's it? Right? Oh! How do you watch that? How do you watch all the stupid movies that you watch? Movies and porno are different, John. They give awards for movies. They give awards for porn, too. Only a few things I really care about in life. I don't know if I really want to wife and kids. Oh, look what you did. I look like a grandmother. But do I have any grandchildren? If you want to lose yourself, you have to lose yourself in another person. It's a two-way thing. I thought you were different. And maybe it's time to try something new. La première réalisation de Joseph Gordon-Levitt, première réalisation pour le cinéma parce qu'il a déjà réalisé quand même quelques petits clips et des courts-métrages, alors jusque-là inconnus du public, hein. Moi j'en ai jamais vu, mais à ce qui paraît c'est assez indépendant, un peu dans ce qu'il a l'habitude de tourner. Justement c'est ça qui est dérangeant, c'est que moi je m'attendais vraiment à voir un film indépendant en regardant Dungeon, et on voit un truc qui essaye vraiment de rejoindre le Hollywood qu'on connaît avec un film très formaté, très clipesque, c'est vraiment inspiré de MTV, avec des clichés dans les personnages, donc surtout dans les personnages féminins. On a la pin-up, on a la quinca un peu coincée, on a la mère un peu trop curieuse, la sœur complètement accro au téléphone. Avec tout ce lot-là, madame est servie, quoi. On a vraiment pas des personnages... Il effleure vraiment ses personnages. Il se concentre surtout sur son sujet. Donc le sujet, il suffit d'avoir vu la bande-annonce pour le connaître. Il s'agit du porno, d'un mec accro au porno. Le problème du film, c'est que moi, ça m'a fait penser à du Woody Allen, cette voix off omniprésente. Du coup, comme je déteste Woody Allen, j'ai regardé le film un peu d'un œil distrait. Et j'en ai retenu uniquement un triangle amoureux... assez simpliste, jamais provoquant, hormis dans les extraits de films porno qu'on peut y voir, et encore je sais que c'est une version qui a été coupée pour la censure, parce que sinon il aurait été classé comme porno, mais en même temps il montre des images porno, donc il l'aurait mérité. Du coup il a enlevé tous les plans choquants et suggestifs, et on se retrouve donc avec une comédie assez aigre, douce, qui apporte pas vraiment grand chose, les personnages sont déjà vus et revus. Moi je m'attendais à quelque chose d'un peu plus finaux, étant donné que Joseph Gordon-Levitt a été élevé dans une famille, enfin surtout sa mère, qui manifestait dans des partis pour la liberté et l'égalité des sexes, donc je m'attendais pas à le voir... Enfin, quand j'avais vu le résultat, le pitch de l'histoire, qui allait traiter du porno et de la femme objet, je me disais qu'il allait en faire quelque chose d'intéressant. Mais en fait, il frôle le sujet, il s'intéresse, il se regarde un peu le nombril parce que il a fait du sport, il est de tous les plans, il fait le beau gosse. Et en plus, la réalisation est, il se concentre beaucoup trop sur la réalisation, il veut faire un truc trop propre. Le problème, c'est que ça n'a pas du tout la vérité, c'est trop clinique à mon goût, c'est trop MTV, j'ai vraiment pas aimé. Le fait que le personnage de Scarlett soit vraiment aux antipodes du personnage de Dungeon, mais et qu'il puisse quand même s'apprécier et s'aimer, quoi. Enfin, s'aimer, c'est un bien grand mot, mais la romance, elle est... moi, j'y croyais pas du tout. Donc, ça m'a posé un grand problème quand on me montre une romance pour une comédie romantique qui ne fonctionne pas. L'autre problème vient du personnage de Julianne Moore, qui a absolument rien à faire ici. C'est une sorte de mère de substitution, et en même temps de maîtresse qui va lui apprendre à se dégager au fur et à mesure de l'image de la femme qui se fait, que ce soit celle qu'il rencontre en boîte ou celle qu'il voit dans les films qu'il regarde. C'est un peu trop vain comme film pour satisfaire.
Ouais, non, moi clairement j'aime bien Gordon Levitt en tant qu'acteur, mais faut que ça passe quoi, cette mode des mecs qui veulent absolument passer à la réalisation, c'est ça le problème. T'as l'impression que Joseph Gordon-Levitt, il voit tous ses petits copains James Franco et compagnie qui passent à la réalisation, il fait oh bah tiens, si je faisais pareil, comme ça je vais lui donner une petite légitimité, je vais assévir mon discours et tout ça, mais faut arrêter quoi, ces discours de gamin de 15 ans. Je veux dire, le mec il est tout content, on dirait qu'il découvre le subversif par rapport au porno, par rapport, on se tape même un truc sur la religion, sur, enfin c'est lourd au bout d'un moment. Le mec, il a juste rien à raconter. Il enquille les petits moments de petits malins. Et, même, on sent qu'il cherche à faire une espèce de petit film culte, de film cool et tout ça. Par rapport, il y a une scène, je pense à une scène avec Scarlett Johansson là, qui se frotte contre une porte. Mais alors, c'est le prototype main de la scène où il y a marqué « Attention, j'essaie de faire une scène culte ». Mais non, mais sans déconner, les mecs, mais c'est ridicule comme scène. Tu vois que... C'est complètement foiré. En plus, il n'y a aucun personnage qui fonctionne. Moi, quand je regarde ce genre de film et que j'ai envie de baffer les personnages, c'est quand même qu'il y a un truc qui cloche, quoi. Je comprends qu'il veut faire un discours second degré sur les relations, et on voit qu'il essaye de faire un espèce de discours là-dessus, mais mec, fais un discours un peu plus cohérent, quoi. Là, on dirait des personnages qui sortent de télé-réalité, quoi. Scarlett Johansson, c'est bien, elle prend son petit accent, on voit qu'elle y croit, on essaie qu'elle aille faire de l'actrice studio, mais sans déconner, quoi. Son personnage, il est juste ridicule. Pareil pour Gordon Levitt, quoi. Au bout d'un moment, moi, j'y crois pas à ces personnages. On voit qu'il y a un scénariste derrière, on voit qu'il y a un mec qui essaie de faire des prototypes de base, mais il y a rien qui fonctionne, quoi. Même l'image de la famille, mais c'est désespérant, quoi. Entre le père beauf, la mère. Qui est là pour faire la cuisine, la sœur qui dit pas un mot et qui est avec son portable pendant tout le truc. Oh, mais sans déconner, quoi. Moi, le personnage de la sœur, j'avais de la peine, quoi. Pour Brie Larson, on dirait qu'elle a perdu un pari, quoi, la fille. Elle est là pendant tout le film avec son téléphone, elle dit pas un mot. Et à la fin, on dirait que c'est un espèce d'hommage à Kevin Smith, je sais plus quoi, la salon de Bob. Oh, elle dit une phrase qui attend la vérité, puis elle retourne à son téléphone. Non. C'est pathétique, quoi, ce film. Je comprends pas, moi, franchement. Mais ça me fait de la peine, parce que Gordon Levitt, franchement, c'est un acteur que j'apprécie vraiment beaucoup. Mais t'as envie de lui dire, mec, la réalisation, c'est pas pour toi. Retourne faire l'acteur, pas chez Nolan de préférence, mais retourne faire l'acteur, et puis passe à autre chose, quoi. Parce que ton film, c'est foiré de A à Z. Pourtant, ça partait avec toutes les bonnes intentions du monde. Mais non, c'est pas possible, quoi. Oui, t'as raison, mais il y a tellement de problèmes dans le film, il y a plein de trucs qui fonctionnent pas. C'était une bonne idée, pourtant, le côté, là, lui, c'est pas l'addiction au cul, en vrai, il est complètement accro à la sexualité par internet, et finalement, il trouve qu'il y a rien de plus kiffant que de se branler dans des vidéos porno. Alors ça, c'était plutôt pas mal. Je pensais qu'il y aurait justement tout un truc là-dessus avec finalement qu'est-ce que tu vas chercher dans le porno que t'as pas en vrai et tout, et puis ça c'est complètement écarté au bout de 20 minutes, une demi-heure, pour finalement nous chier un espèce de mélo pseudo-subversif, enfin comme tu dis, c'est écrit par un gamin de 15 ans, quoi. Toute l'intro, j'avais l'impression de voir du sous Pain and Gain avec le mec qui raconte sa vie, montage MTV clipesque, le mec qui se branle toute la journée, tu dis bon ok, d'un moment, enfin je sais pas, puis les persos sont même, à la limite les acteurs sont tous trop vieux pour ce qu'ils ont à jouer, je trouve. Il aurait été mieux si ça avait été à la limite le même sujet, mais avec des gens qui ont entre 20 et 25 ans, mais là, Julianne Moore, elle a 50 balais, quoi. Elle se retrouve là-dedans, le mec quand même, enfin, il couche avec Scarlett Johansson quand même, et il trouve quand même le moyen, tout de suite après avoir couché avec elle, de retourner quand même sur internet. Enfin, il y a un moment où on peut même pas avoir de l'empathie pour lui parce qu'on le comprend pas. On a beau tous être des mecs, je pense que bon, au bout d'un moment, même si au début du film je me disais oui, dans certains trucs c'est plutôt pertinent ce qu'il raconte sur internet et compagnie, parce que tous, autant qu'on est, on y a tous été. Dès qu'après ça devient une espèce d'analyse dans le réel, c'est pas du tout intéressant, quoi. Enfin, c'est survolé, c'est pas très bien joué, je trouve, c'est pas très bien réalisé non plus. Enfin, ça se voit que là, bon. Faut pas qu'il fasse tout ça. Il est très bien en tant qu'acteur, Gordon Levitt. Pour limite, faut peut-être qu'il se cantonne à jouer plutôt qu'à faire des films et à vouloir en plus se donner le premier rôle. À limite, qu'il fasse des films sans lui dedans. Bah là-bas, c'était Shining Tatum qui devait faire. Ça aurait peut-être été plus drôle. Oui, peut-être. Oui, parce qu'en plus, il a un physique qui aurait été plus marrant vu le sujet. Gordon Levitt, il fait minet. Ouais, non, t'arrives pas. Il peut pas faire abruti, alors que on te le fait quand même jouer un espèce d'abruti, quoi, quelque part, parce qu'il comprend absolument rien à la vie. C'est un attardé qui se branle toute la journée. Enfin, voilà. Mais le problème du film, c'est que c'est ça, c'est qu'il essaye un peu de faire comme justement Michael Bay en Pain and Gain, c'est-à-dire je vais raconter l'histoire d'un abruti. Sauf qu'il y a un moment où dans le film de Michael Bay, il y a une
évolution de Michael Bay. Il se met un moment un peu, il a un recul sur ses personnages. Il se dit, voilà, à un moment, ils agissent mal. Alors que là, dans le film de Gordon Levitt, il comprend pas qu'au bout d'un moment, il faut avoir un certain recul et se dire, faut peut-être un peu évoluer, faut pas faire un film débile jusqu'à la fin. Parce que là, t'essayes de faire un, comment dire, un questionnement sur la sexualité aujourd'hui. Mais le truc, c'est qu'à la fin, il y a pas de questionnement. T'as juste une morale à la con qui dit, ouais, au lieu de te taper une putain de mon boss, tu vas te taper une vieille mamie, mais au moins, tu seras, je veux dire, t'auras une sexualité, entre guillemets, normale. Tu vois, c'est ça, moi je trouve ça un peu, moi je trouve ça vraiment donneur de leçons, quoi, comme fin. Ah bah complètement, complètement. Ouais. Et même moi, ce que j'ai surtout pas aimé, c'est un peu le côté, j'ai l'impression de voir un épisode de série télé, c'est-à-dire que t'as Joseph à l'église, Joseph chez ses parents, Joseph devant l'ordi, Joseph dans sa bagnole, Joseph à l'église, Joseph chez les parents, Joseph à... toujours les mêmes endroits. Il y a jamais d'évolution, c'est ça qui est vachement saoulant au bout d'un moment, surtout quand ton film il fait 1h25, tu dis au bout d'un moment, je sais pas, change un peu d'axe de caméra, change un peu de... parce que là t'as vraiment l'impression de voir une pièce de théâtre, c'est ça, c'est pour moi le film c'est une pièce de théâtre. Puis comme disait Logan, il y a ce côté recherche de la scène culte, t'as plein de scènes dialoguées et tout avec Tony Danza où t'as envie de dire mais arrête, cette année on a eu Django, Pain and Gain et là le Scorsese, essaye pas de faire des scènes dialoguées où ça va faire des dialogues cultes, parce qu'en plus c'est naze, enfin faut chacun à sa place, j'ai envie de dire. Bon après il y a des très bons, il y a des acteurs qui ont fait des très bons films et des grandes carrières de réalisateurs, je dis pas qu'il fera peut-être pas des bons films, mais là pour le coup le sujet vaut pas non plus Je lui pardonne parce que voilà, c'est son premier film et il a fait, voilà, on va dire, l'erreur typique du jeune réalisateur, c'est qu'il a pas réussi il a plutôt eu la naïveté de pas vouloir se mettre au-dessus de son sujet, c'est ça le truc. C'est que pour moi, il commence débile et ça continue débile, c'est que ça veut pas essayer d'aller plus haut, quoi. C'est vraiment ça. Je trouve quand même que la deuxième partie, on change complètement de ton, c'est très sérieux, c'est très, comme tu dis, presque donneur de leçons. Ouais, mais ça reste débile, ça reste du front pour moi, tu vois, c'est vraiment ça le problème. Il y a ce syndrome comédie américaine un peu où t'as tout le temps la dernière demi-heure où c'est la rédemption entre guillemets, ça me gonfle. Et puis en plus, il essaye de donner du poids au personnage de Julianne Moore avec sa crise un peu, ses crises de larmes, là, enfin, son passif. Même si ça va, je trouvais qu'ils en ont pas trop fait parce qu'ils auraient pu te le dire d'entrée de jeu et ils auraient pu faire une relation avec elle qui est une veuve et pleurer, machin. Ils auraient pu faire encore plus appuyé, mais non, c'est un film qui est bancal, quoi, ça se sent, tout est bancal. Ouais, et même à la fin, il dit, ouais, pourquoi t'aimes le porno, ouais, parce que je dois rien à personne, voilà, c'est ça le truc. C'est qu'il y a pas, c'est une relation à sens unique. Ça, c'est qu'il n'a pas besoin de se faire beau, il n'a pas besoin d'essayer de se séduire. C'est ça, mais c'est basique. Je veux dire, tout le monde arrivera à faire ce genre de conclusion, tu vois. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. C'est ça. Et le problème, c'est qu'il va pas plus loin que ça. Il va pas plus haut que ce raisonnement-là. Bon, alors on va s'arrêter là-dessus et on va maintenant passer au Loup de Wall Street et c'est Killbush qui va nous en parler. 22 million, 3 hours. La vraie question est celle-ci. Was all this legal? Absolutely not. Hang you up from the hell. He's got pictures of your whole inner circle. This is bad. It's okay. Rub my temple. You're all right. This right here is the land of opportunity. You just tried to bribe a federal officer. This is America. This is my home. Good for you, little man. Me, the little man. The show goes on. They're gonna need to send in the National Guard to take me out, cause I ain't going nowhere. We don't work for you, man. Yeah, my money takes your boobs. Technically, you do work for me. Alors, Le Loup de Wall Street, le nouveau film de Martin Scorsese, et peut-être un de ses derniers, puisqu'il vient d'annoncer a priori qu'il allait bientôt mettre un terme à sa carrière. Tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est un film très surprenant, surtout après Hugo Cabret, qui était quand même un film plutôt... qui était même son film le plus grand public à ce jour, hein, je pense, que c'était vraiment le film familial, par excellence, même s'il y avait un sous-thème sur le cinéma. Là, pour le coup, on est très surpris devant ce dernier film, puisque là, c'est 3 heures totalement hallucinées et hallucinantes. Enfin, moi, je suis ressorti du film en me demandant comment Scorsese, à 72 ans, pouvait encore nous sortir des films comme ça. C'est vraiment son film le plus trash,
son film le plus osé, je pense. Il a jamais été aussi loin dans la représentation visuelle de la décadence des États-Unis. Et là, plus particulièrement, donc le monde des traders, puisque c'est quoi Wolf of Wall Street, c'est donc l'adaptation des mémoires de Jordan Belfort, donc le personnage qui est interprété par Leonardo DiCaprio dans le film, donc un vrai courtier, donc qui a exercé fin des années 80, début des années 90 aux États-Unis, et donc Scorsese va vraiment pendant 3 heures nous raconter au travers du regard de ce mec comment à cette époque-là et encore aujourd'hui, même si je pense qu'on est aujourd'hui un petit peu loin de la représentation qu'on peut avoir dans ce film-là du monde des traders, toute la folie qu'il peut y avoir dans ce milieu et cette espèce d'addiction qu'ont les mecs, non seulement à l'argent, mais aussi à la drogue, au sexe et effectivement à la plupart des vices que l'on peut s'offrir quand on est quand on devient millionnaire et surtout dans des temps très court comme c'est le cas pour ces mecs-là. Donc voilà, le film ça va être uniquement ça, mais à la différence du film d'Oliver Stone donc Wall Street qui lui dénonçait plus les effets de ces mecs sur le système et sur l'économie réelle finalement, puisque dans toute la deuxième partie du film de Stone on avait un conflit entre donc Gordon Gekko les traders et puis la société du père de Charlie Sheen, donc on avait vraiment ce côté impact direct sur les entreprises, pourquoi ce que font les traders d'un côté font fermer des entreprises, alors que là le film de Scorsese n'est pas du tout là-dessus, c'est pas du tout le terrain du film, là c'est plutôt qu'est-ce que fait ce milieu-là, la facilité, l'addiction qu'il peut y avoir à devenir trader et les effets que ça peut avoir sur les personnes qui pratiquent ça, et là ça va vraiment être ça, c'est comment un mec qui au début nous est présenté comme un mec qui a l'air plutôt honnête, d'ailleurs, quand la première scène, donc la grande scène avec Matthew McConaughey, où lui est déjà un trader, on va dire, aguerri, et qui va l'initier quelque part à la facilité avec laquelle on va pouvoir se faire du fric en baisant les gens, finalement. Et alors que le personnage de Belfort, au début du film, est quelqu'un de plutôt pur, il lui dit d'ailleurs, si tout le monde y trouve son compte, est-ce que c'est pas mieux, tout ça, et l'autre lui explique clairement, non, et là, t'es plus dans ce milieu-là, t'es dans un milieu où ton seul et unique but, c'est de te faire du fric le plus facilement possible, le plus vite possible, et bien sûr, pour tenir ces rythmes-là, voilà, le mec va être obligé de tomber, il va tomber malgré lui de toute façon dans tous les vices, dans la coke, dans le cul. Plus ils ont de pognon et plus ils ont des idées déhantes, les mecs quittent complètement le système, quand on dit le commun des mortels, voilà, là c'est vraiment un film sur des mecs qui ne touchent plus terre, qui sont complètement fous, et qui en même temps ne sont pas détestables. C'est-à-dire que, alors est-ce que c'est parce que c'est Leonardo DiCaprio qui l'incarne et que sa gueule d'ange, son charisme font que on n'arrive pas vraiment à le détester pendant tout le film, alors que le mec fait des trucs quand même innommables. Enfin, il y a quand même une scène dans le film qui m'a particulièrement marqué, c'est la scène de la tonte dans les bureaux. Donc il y a une jeune femme qui, pour le plaisir de tous, et pour une certaine somme d'argent, va être tondue devant tout le monde. Cette scène a un côté drôle, mais a un côté vraiment glauque, et c'est vraiment, ça représente vraiment, je trouve, cette scène, elle est vraiment représentative de l'état d'esprit, je pense, de Scorsese vis-à-vis du monde des traders, et c'est ce qu'il a voulu en faire. Alors, il y en a plein qui le taxent d'apologie de ce monde-là, de ces pratiques-là. Là, j'ai vu qu'il était même attaqué carrément par des vraies victimes de Jordan Belfort, qui l'attaquent en disant qu'il avait fait l'apologie du personnage et en le montrant vraiment de manière cool. Moi, c'est pas ce que j'ai ressenti pendant le film. Alors oui, la mise en scène est dynamique. Oui, on nous montre des trucs. Finalement, on nous montre pratiquement que des scènes de débauche. Donc, on peut avoir cet effet-là du fait que on nous en montre tellement, on pourrait croire que c'est de la complaisance. Moi, je trouve pas. Enfin, je trouve que Scorsese, il tape dur quand même sur ces mecs-là. Justement, il a été too much pour montrer vraiment, voilà, regardez un petit peu qui aujourd'hui fait bouger les pions à l'échelle mondiale. Quels sont ces personnages et comment se comportent-ils? Et en ayant lu quelques passages du bouquin de Belfort, a priori, il n'a pas poussé le curseur. Il a été assez cohérent avec ce qui est écrit dans le bouquin du mec, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'exagéré dans le film. Même si ça peut paraître par moments complètement fou, notamment les orgies dans les avions, j'en passe, c'est des meilleurs, quoi. Le mec qui rentre chez lui complètement bourré avec un hélicoptère dans son jardin, des trucs qui paraissent pas complètement fous, quoi. Personne ferait ça. Et pourtant, c'est la réalité des faits, quoi. Moi, j'ai
adoré du début à la fin. C'est vraiment une, c'est une comédie satirique qui va à 200 à l'heure, qui est vraiment c'est innovant à la fois dans le montage, dans la rythmique, dans les dialogues. Enfin, c'est du pur Scorsese. Alors, c'est peut-être pas son chef-d'œuvre, parce que bon, je préfère quand même Casino, qui joue un petit peu sur le même terrain, parce que Casino, c'était vraiment, une certaine époque, les casinos à Las Vegas, à travers les yeux du personnage de De Niro. C'est un tout autre sujet. C'est peut-être pas aussi intéressant, parce que justement, on creuse moins les arcanes de la bourse. Là, on suit vraiment une équipe de personnages qui seront là-dedans et qui vont aller jusqu'au bout de toutes les limites, quoi, et jusqu'à se faire arrêter et enfin être arrêté et être mis en prison, parce que je pense que la manière dont on nous le dépeint, en tout cas, c'est la seule solution pour que ces mecs-là, au bout d'un moment, redescendent un petit peu, parce qu'ils vont tellement haut, tellement loin, ils n'ont plus aucune conscience ni de la morale, ni de la réalité de la vie, d'ailleurs, qu'il faut peut-être un moment qu'ils soient complètement arrêtés pour comprendre. Et malgré tout, c'est pas ce que Scorsese nous dira à la fin du film. Moi, j'ai trouvé ça génial. Vraiment, un des plus grands films de l'année, ça c'est clair et net. Un des meilleurs derniers Scorsese aussi. Ça c'est sûr, à mon goût. C'est vraiment un très, très grand film. Et puis bon, la performance de DiCaprio. Ah bah ouais, si là, cette fois, il a pas l'Oscar, c'est... Il a dû faire quelque chose. Hein. Il a dû quand même avoir un... Je pense qu'il a eu un clash avec quelqu'un de l'Académie des Oscars, c'est pas possible, parce qu'il est jamais nominé, quoi. Il y a un truc, là, s'il est pas nominé, c'est qu'il y a un problème. Parce que c'est fou, quoi. La palette de jeu, elle est hallucinante. Il peut être totalement hystérique, drogué, d'un calme, enfin, il est hallucinant. C'est un acteur que j'aimais pas du tout au début de sa carrière et qui, de film en film, arrête pas de nous surprendre. C'est à chaque fois, on se dit, putain, là, il a atteint des cimes, où est-ce qu'il va nous emmener? Et là, dans celui-là, je pense que là, d'ailleurs, ça va être dur derrière de refaire une performance aussi rock'n'roll, quoi. Parce que là, Scorsese lui a donné le terreau parfait pour faire une performance anthologique. Hein. Bah, c'est un peu le rôle qui lui manquait, surtout, parce que ça faisait un moment, on avait toujours le Léo, soit un peu beau gosse ténébreux, soit le mec un peu gentil, mais on n'avait pas le gars un peu fou, un peu hystérique. Ouais, un petit peu, mais tu vois, ça restait... Il restait un peu distingué, tu vois, il essayait de se donner des airs, alors que là, il se donne pas des airs, c'est que le mec, il veut baiser, il insulte ses clients par téléphone quand il fait les gestes, quand il mime une sodomie, quoi, c'est vraiment un truc que Léo nous a pas habitué à faire, quoi, c'est vraiment vulgaire à fond, quoi, c'est... À premier plan, il apparaît entre le cul d'une nana en train de lui faire de la cam dans le trou de balle, quand même. Hein. C'est la première scène de film, quoi. Tu dis, bon, ok, déjà, moi, j'ai même senti dans la salle des petits frémissements dès le début. Je me suis dit, oh, ça va être sympa. Ah bah ouais, moi, il y avait plus ou moins le pire, il y avait des vieux dans la salle pendant deux secondes, ils se regardaient tous, on s'est pas trompé de film, là. Mais même moi, j'étais choqué, parce que je me suis dit, oh là là, purée, mais c'est DiCaprio qui fait ça, quoi. Ah bah j'ai dit, c'est bon, le film, il va être génial, quoi. Mais voilà, ça, c'est un petit peu, on va dire, la force et la faiblesse du film. C'est que dès le début, les 10 premières minutes, elles tapent, elles vont à 300 à l'heure. Et le problème, c'est que Scorsese, pendant 3 heures, il veut aller à 300 à l'heure. Et au bout d'un moment, on a envie de dire, lâche un peu la bride, quoi. Calme-toi, laisse un petit peu respirer. Et essaye de nous raconter aussi un moment quelque chose. Parce qu'à un moment, j'ai l'impression, pendant une heure, le mec, il voulait battre des scènes d'orgie, des Sopranos, de Boardwalk Empire. C'est ça, d'ailleurs, Terrence Winter au scénario, ça me surprend pas qu'il y ait autant de scènes de cul, quoi. C'est vraiment ça. Pour moi, c'est le syndrome HBO. Mais voilà, le problème, c'est que c'est ça, c'est qu'il veut tellement, tellement être en concurrence avec lui-même, tellement en concurrence avec la déferlante de séries télé américaines, qu'il veut maintenant être le plus subversif possible. Et le truc, c'est qu'au bout d'un moment, j'ai envie qu'il avance un peu des thématiques, qu'il essaye un peu de développer ses personnages, et pas que les montrer dans la débauche et le sexe et la drogue. Et voilà, moi, c'est vraiment la seule réserve que j'ai à faire à propos du film. Sinon, autrement, c'est un film, bien entendu, que je trouve... génial, voilà, Scorsese, ça reste pour moi un des plus grands cinéastes à l'heure actuelle, qui met à l'amende pratiquement tout le monde. Il a 75 ans, le mec. Il a des références, un sens du montage, des choix musicaux qui sont remarquables, quoi, qui font bien plus moderne que 90% des cinéastes actuels, quoi. Même si là, en l'occurrence, tu sens, voilà, qu'il y a eu des affranchis et qu'il y a eu Casino derrière. Et d'ailleurs, dans le Loup de Wall Street, j'ai senti pas mal de scènes qui répondaient à Casino, genre la scène. La dernière scène avec sa femme, pour moi, c'est la scène où t'as De Niro et Sharon Stone qui s'écharpent pour la garde de la gosse. Bah, c'est ça.
Bah, ne serait-ce que le personnage de sa femme, d'ailleurs. Voilà. Qui serait, toi, la blonde plantureuse, bon, qui est encore plus sexy que Sharon Stone, parce que là, il montre tout. Mais il y a un plan à l'identique avec les Ray-Ban, ouais. Qui a été repris de Niro. Voilà. Donc, Casino, c'est exactement le même. Et voilà, et c'est un petit peu ça le problème, et c'est là où on voit justement que la limite entre Terence Winter et Nicolas Pileggi, c'est que Nicolas Pileggi, il était pas dans l'admiration de Scorsese, c'est que Pileggi, il essayait vraiment de démontrer les arcanes d'un univers, de vraiment le démontrer. Le montrer dans toute sa largeur, en long et en large. Alors que là, Winter, il a écrit, là, j'écris un film pour Scorsese, donc il faut vraiment que j'essaye de caser un max de références et que Scorsese, il nous refasse un petit peu des Affranchis et un petit peu de Casino. Et voilà, c'est vraiment là-dessus que ça me gêne. Après, autrement, le film reste très bon, quoi. Bah moi, je suis un peu d'accord, parce que j'ai parlé de la fin, j'ai quelques réserves quand même sur l'aspect familial du film. Enfin, familial, je parle pas de que le film est familial, hein, je parle de l'aspect familial du personnage. Je pense notamment aux enfants qui sont traités, mais par-dessus la jambe, quoi. Au moment du film, la gamine, elle a quelques mois, et une heure plus tard, la gamine a 6 ans, et on essaie de faire une espèce de scène, pas tire-larve, mais où alors le personnage prend conscience de sa condition, je sais pas quoi. Avec la scène de la voiture, j'ai trouvé que c'était un petit peu la scène 2-3, elle m'a gêné cette scène, j'ai pas trouvé ça très intelligent, quoi. Et justement, c'est dommage parce que pendant tout le film, Winter et Scorsese, ils sont pas du tout complaisants vis-à-vis de ces personnages, ça veut dire qu'ils prennent pas leurs règles en montrant tes doigts et en faisant « Ah, pas bien la finance, pas bien ». Tu vois, c'est pas du tout ça le thème du film, c'est vraiment un film qui te montre la finance sous un angle, pas à la coupe, mais qui te montre que c'est un monde à part, que voilà, de toute façon, ils essaient même pas de t'expliquer le système, ils essaient même pas de te montrer à quoi rime ce qu'ils sont en train de faire. Même à un moment, DiCaprio le dit en plein écran, il dit « Je sais très bien que de toute façon, vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous raconter, donc je vais aller à l'essentiel. » Et c'est exactement ce que fait Scorsese, il essaye pas de te faire le parfait manuel du petit trader comme faisait par exemple Oliver Stone, il essaye pas de te démontrer un univers. Alors oui, c'est à ses limites, parce que du coup, on se sent moins impliqué, on se sent moins dans le film et on comprend peut-être pas les arcanes de ce que sont Wall Street. Mais clairement, on s'en fout. Là, ce qui est intéressant, c'est de voir un microcosme qui est en action. Et vis-à-vis de ce qui fait ça, c'est passionnant. Après, je suis d'accord avec toi, Jet, c'est que le film aurait gagné un petit peu à ralentir son rythme par moment. J'ai trouvé aussi que... Enfin, je n'ai pas digéré encore le film, là, j'en parle. Je l'ai vu il y a 2-3 jours. Je serais incapable d'en faire une critique structurée, thématique et tout ça. Pour l'instant, je suis encore sous le coup du film et c'est assez dur d'en parler. Il faudrait que je l'envoie dans 6 mois, quand il sortira en Blu-ray une deuxième fois. Mais c'est vrai que quand on en sort, on a un petit peu mal à la tête, on fait « c'était dur ». Ah, c'est un ride, hein. Ouais, c'est ça. Et là où Casino, par contre, prenait son temps, arrivait un petit peu à plus se poser. Après, je trouve pas que le rapprochement des deux films a besoin d'être fait. Je pense que les deux films arrivent à exister très bien l'un sans l'autre, quoi. Mais c'est vrai que Loup de Wall Street souffre un petit peu, je trouve, de cet excès à première vision. Après, je sais pas, peut-être qu'au revisionnage, j'aurais une autre pensée vis-à-vis de ce ride. Mais là, pour l'instant, c'est vrai que même si j'adore le film et que c'est un des films de l'année, pour moi, c'est vrai que... C'était dur quand même. De toute façon, il essaye pas de nous vendre autre chose qu'une comédie, hein. Ah oui, non, mais ça aussi, je dis pas le contraire. Pour moi, c'est vraiment un des films qui m'a fait le plus rire cette année, quoi. Même dans la salle, tout le monde fonctionnait sur les gags et tout. Hein. Ça marchait à fond, quoi. Le côté trash. C'est une comédie satirique, hein. Très acide, très. Très vulgaire. Qui pousse vraiment tous les curseurs à l'ombre, quoi. Ouais, mais le rapprochement de Casino, moi je le vois surtout dans certaines scènes, notamment c'est la scène où il rentre en voiture chez lui complètement défoncé, qui veut arrêter Jonah Hill, qui veut arrêter que Jonah Hill parle au téléphone. cette scène-là, mais elle est ridicule tellement ils sont pathétiques, mais tu la mets dans un contexte dramatique, ça aurait été dans Casino, il se serait mis sur la gueule, il y en aurait peut-être un qui aurait crevé. Ce serait peut-être DiCaprio qui aurait étranglé Janine. Enfin, là, tu les regardes dans un contexte comique, mais l'impact, c'est le même. Ouais, mais comme tu le dis, ils sont drôles. Enfin, c'est drôle, mais ah, oui. ils font quand même profondément de la peine. Ils ont beau être riches à millions, quand tu les vois à ce moment-là, tu te dis putain, mais pauvre vieux, quoi. Mais vous rendez compte jusqu'où vous allez quand même. Surtout devant leur. En train de ramper comme des escargots par terre, quand même. Non, mais le pire, c'est le gag de Popeye, quoi. Ça va tuer. Quand il prend le rail de coke, mais c'est ça, la vision de la coke dans le film est complètement. C'est comme de la Red Bull, quoi. Voilà. C'est un truc que les mecs prennent, mais ils le prennent. Pour nous, c'est quelque chose de. C'est un
bon, c'est quelque chose de quand même anodin de prendre de la cocaïne. Là, dans le film, c'est comme s'ils buvaient un café, quoi. C'est, ils en prennent pendant tout le film. Et c'est ça aussi, oui, comme vous le disiez, le film va à 200 à l'heure. Et c'est peut-être un peu, au bout d'un moment, ça nous essouffle, parce qu'on se dit, putain, à un moment, ouais, redescendez, mais c'est vrai que le film, il est à hauteur des persos, quoi. C'est vraiment, t'es dans la tronche de DiCaprio, et lui, dans sa tête, ça va à ce rythme-là, quoi. Et c'est dur à suivre, parce que, ouais, les mecs, ils sont plus sur Terre, quoi. Ils sont dans un monde, ils sont dans un autre monde, qui fait que t'arrives pas forcément à les comprendre, là où les persos des Affranchis ou de Casino avaient des valeurs morales, avait un sens de la famille auquel on pouvait se reconnaître, dans lequel on pouvait se reconnaître, vraiment une, enfin voilà, le respect. Ces mecs-là n'ont aucun respect de rien. Enfin, c'est des mecs qui, c'est la scène de la tonde, c'est bien ça, quoi. C'est, on s'en fout. Et en plus, il y a un parallèle quand même. Enfin, bon, j'ai vu quand même un parallèle un peu. Enfin, cette scène, elle m'a un peu dérangé. J'attends de le revoir, mais elle est choquante parce que tu sens que les mecs, ils en ont rien à foutre de l'être humain. Hein. Ils sont arrivés à un tel point où il n'y a plus que le fric qui compte, quoi. Même si j'ai l'impression qu'à un moment, tu te demandes si Belfort, il se voit pas un petit peu comme un espèce d'ange gardien de tout son troupeau. Parce qu'à un moment, il y a une espèce de dialogue avec un personnage. Ouais, il y a un dialogue avec l'autre personnage féminin, justement, quand il lui dit qu'il lui a donné 25 000 $ ou je sais pas quoi, je sais pas, à ce moment-là, c'était assez... Ah oui, oui, bah, c'est glauque aussi, hein. Ouais, ça non, veut dire, en gros, j'étais bien sorti de la merde, t'étais dans la merde et tout. Enfin, il le dit joliment, mais la scène, devant tout le monde, c'est une humiliation, quoi, quelque part. Parce qu'il dit devant tout le monde qu'il l'a aidé, elle s'habillait, je sais plus quoi, enfin, il dit des trucs un peu ignobles, quoi. Il dit, elle s'habillait comme une merde, regardez, maintenant, elle est en tailleur Chanel. Puis bon, son petit jeu, je pars, je reviens, tu sens vraiment, oui, le côté vraiment gourou, quoi. Enfin, le côté gourou, il est encore plus prononcé dans la scène finale, je trouve. Habillé tout en blanc, un peu comme un ange. Ah bah oui, à la fin, la toute fin, elle est géniale d'ailleurs, avec le côté, avec le truc qui reprend du stylo, et il se rend compte qu'il n'y en a pas un qui est foutu de vendre le stylo. Et, ouais, et surtout, que le mec, il n'est pas du tout rassasié, c'est ça l'a pas du tout calmé, tu le vois son visage marqué par la drogue et tout. Tu sens que le gars, si on lui donnerait l'occasion de refaire ce qu'il a fait, il le refera, quoi. C'est vraiment... Il a un ego surdimensionné, quoi. Il a besoin de reconnaissance ultime. Ouais, c'est même pas une question d'argent. Au bout d'un moment, c'est même pas une question d'argent, quoi. C'est juste une question de... D'addiction. Ouais, c'est ça. Hein. Non, mais c'est un film sur l'addiction. Hein. Pour moi, il me fait penser à Henry Hill à la fin des Affranchis, quand il dit je suis là, il sourit face à la caméra, il dit maintenant je suis dans la peau d'un schnock, tu vois. C'est vraiment ça. Alors que le gars, tu le sens dans son regard qu'il a envie de refrayer avec le crime. Pour moi, c'est la même finalité. C'est des gars, on leur a tapé sur les doigts, on les a mis plus bas que terre, mais malgré tout, ils ont pas compris la leçon. Ils sont toujours tentés par le vice, le crime dans tout ce qu'il a de plus grave, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Ah, puis là, c'est des mecs qui, principalement, au-delà de détruire certainement beaucoup d'emplois, enfin tout, mais tout un côté qui est complètement éludé par le film, ils se détruisent complètement, quoi. Enfin, ouais, c'est ça qui est bien aussi dans le film, c'est qu'on n'a pas le regard adverse. Ça veut dire qu'à aucun moment t'as les victimes de Belfort qui viennent le voir, ou alors on te montre pas les conséquences. Tout ça, c'est quelque chose que j'ai bien aimé dans le film. Il y a vraiment, il y a pas une volonté de Scorsese de taper vraiment sur les doigts et de montrer un espèce de côté pas de déchéance du personnage ou de l'autre. Il y a pas du tout ça dans le film. Ouais. J'avais un peu peur de ça. C'est pour ça qu'il se fait attaquer. Hein. C'est pour ça qu'il se fait attaquer d'ailleurs, parce qu'il est trop unilatéral. Son film, mais lui, il a pas voulu raconter les effets de ces mecs-là sur le système réel. Il a voulu montrer les effets du trading sur les mecs. Qu'est-ce que ça implique pour eux et jusqu'où ils peuvent aller quand pour moi, c'est comme Casino. C'est comme Casino. Pour moi, c'est un film sur l'enfer et le purgatoire. C'est exactement ça. Il n'y a pas de raccordement à la réalité. C'est ça le truc. C'est vraiment les mecs qui sont dans la stratosphère, ils sont au-dessus des autres et ils ont pas conscience de la masse, ils ont aucune conscience de ce qui se passe en bas en fait sur Terre. Bon, c'est dommage qu'on voit pas plus Matthew McConaughey. Ah, il y a une scène. Mais c'est la meilleure scène du film, je trouve. Par contre, étonné par Jonah Hill, franchement, moi, c'est d'habitude qu'un gars qui me fait pas du tout rire, mais alors là, dans le film, il m'a tué à chacune de ses séquences, quand il parle du mariage avec sa cousine, ou quand il se masturbe en public, franchement, c'est le genre de truc. Ah, oh là là. Il est énorme, hein. Franchement. Ah, pourtant, j'avais peur hein, quand on l'a annoncé dans le casting. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fout chez Scorsese, lui? Bah, là, franchement, ils l'ont bien choisi. Il a vraiment la bonne tête. Avec ses fausses dents, tout ah le temps. Ah ouais, il y a même un moment où ils le font la remarque. Il fait, mais t'as des dents en polystyrène ou quoi? Enfin, le casting, il est mortel. Rob Reiner en père de DiCaprio, il est excellent.
La première scène de Rob Reiner, j'étais mort de rire. Quand il l'accent anglais au téléphone et tout. Bon, Kyle Chandler, toujours un peu sous-exploité, comme d'habitude. Et John Favreau, qui prend 15 kilos à chaque film. Ah putain, John Favreau, là, c'est plus possible. Mais la veste de costume, elle va exploser, là. C'est pas... Kyle Chandler, j'ai bien aimé sa dernière scène, par contre. Je sais pas trop ce qu'ils ont essayé de faire, mais j'ai l'impression qu'ils ont essayé de lui donner de l'épaisseur avec la dernière scène du métro. On sait pas trop si le mec, il regrette pas, mais qui comprend ce que c'est. Bah oui. Tu sens, ça rappelle ce que lui a dit DiCaprio quand ils se sont vus, quoi. Quand il lui dit, vous penserez à moi dans le métro, à ma proposition et machin, et à la fin, t'as donc la scène où il y repense, où il se dit, ah, finalement, j'aurais pu prendre pas mal de fric et puis fermer ma gueule. Ouais, c'est au final, il voit que ça sert à rien, quoi, ce qu'il a fait. Quoi. Ah oui, le mec, continuera ça avec son but. Ouais, exactement. Mais je pense que Chandler, il a dû être un peu coupé au montage. Lui, ça se sent plus que les autres, parce que le film doit faire 4 heures normalement. Ouais, bah c'est ça. Alors peut-être qu'on aura la director's cut sur le Blu-ray, ça serait bien. Bah, de toute façon, le film a été monté, donc ils peuvent le sortir sans problème. De toute façon, il y avait la monteuse de Scorsese qui avait dit que le premier montage durait 4 heures, après qu'ils avaient fait un autre montage de 3h30 et qu'ensuite ils avaient fait un troisième montage de 3 heures, mais que les trois versions existent déjà comme telles, quoi. Donc il pourrait très bien le mettre en Blu-ray, et franchement, ce serait... Après, je sais pas si le film en serait meilleur ou... Ah ouais, non, là, ça me ferait un peu peur quand même. C'est vrai que 4 heures, ouais. Ah bah, il y aura quelques soucis de rythme, mais peut-être que ça approfondira peut-être un côté qui manque à certains, et puis que ça pourra donner des temps de pause. Parce que là, c'est vrai qu'effectivement, on a l'impression, très honnêtement, quand on mate le film, ça m'a fait un peu la même impression que quand tu mates Las Vegas Parano. T'as l'impression que devant et derrière la caméra, tout le monde est dans le même état que les persos. C'est-à-dire que c'est surexcité à peu près en permanence. Mais pourtant, les persos restent quand même, ils sont pas dans le cabotinage. C'est ça qui est très fort, quoi. C'est que le film, il y a un côté hystérique en permanence, mais en même temps, les persos sont pas hystéro, quoi. Bon, DiCaprio, il a des petits moments où il s'enflamme et tout pendant ses discours, mais ça reste très, ça reste, il cabotine jamais, quoi. Franchement, non, moi, j'ai adoré, j'ai hâte de le revoir, là, déjà. On n'a pas parlé de Jean Dujardin, qui, contre toute attente, est très bien. Bon. Il a un bon petit rôle. Il dure 15 minutes à tout casser, mais je l'ai trouvé bien dans son rôle. Donc voilà, on va s'arrêter là-dessus et on va maintenant passer à Touch of Sin, et c'est moi qui vais vous en parler. Ouais, donc Touch of Sin qui s'était fait qu'un drame chinois qui s'était fait beaucoup remarquer au dernier festival de Cannes parce qu'il était reparti avec le prix du scénario. Donc qu'est-ce que c'est Touch of Sin? C'est un film un peu à sketch puisque le film est séparé en 4 parties qui ont des petits liens entre eux mais qui sont quand même indépendantes les unes des autres et qui peuvent se voir complètement sorties l'une d'entre elles. Il n'y a aucun souci là-dessus. Les 4 parties sont très centrées donc sur des sujets de société qui ont été voulus par le réal. À la base, il devait faire un espèce de film de kung-fu et puis au dernier moment, il a complètement changé de sujet et vis-à-vis de ce qui se passait actuellement dans son pays, il a voulu faire donc un film qui montrait un petit peu toutes les dérives du système et donc sa répercussion sur les habitants sur place. Donc au final, ouais, comme j'ai dit, on a 4 parties. La première, on a une espèce de partie qui est pas sans rappeler un peu le western. On a un homme qui est dans une espèce de ville perdue, une espèce de ville minière où il se rebelle, où il va prendre les armes et se mettre à shooter sur tout ce qui bouge pour montrer un petit peu son désaccord avec les autorités sur place. Du coup, la violence est assez frontale, c'est quelque chose qui m'a assez étonné. Je veux dire, le mec, pendant toute la première partie, il va avec un shotgun en train de tirer dans des têtes. Je veux dire, c'est quand il touche une tête, il la touche, quoi. C'est assez gore, c'est pas racoleur pour autant. Il n'y a pas un espèce de côté, on n'est pas chez un mec comme Haneke qui essaie de dénoncer la violence où il tape encore sous les doigts. C'est pas du tout ça. C'est plus une espèce de violence frontale pour te montrer la réalité de la chose. Donc c'est assez bien ce qu'il en a fait, je trouve. La deuxième partie du film, je suis un peu plus mitigé. On suit donc un homme qui vit en pleine campagne et qui décide de monter en ville pour s'adonner une espèce de vol urbain en tuant des bourgeois dans la rue pour leur voler leurs sacs. J'ai trouvé ça un peu plus facile comme sujet, un peu plus vain. Il n'en fait pas grand chose. La conclusion est assez pauvre. J'ai pas du tout aimé cette partie-là. Je trouve même que c'est la partie la plus faible du film. Après, t'as une troisième partie qui est peut-être la meilleure avec la première, qui est vachement intéressante parce que justement, c'est une partie qui rentre pas dans le social et qui rentre plus dans le film de genre. À un moment donné, j'avais l'impression de me croire dans La Femme Scorpion carrément. Donc on suit une femme qui travaille dans un salon de massage.
et qui sort avec un homme marié qui s'en prend plein la gueule par la femme de l'homme marié qui vient la voir avec deux hommes de main pour lui défoncer la gueule. Et on voit déjà qu'elle en souffre pas mal de cette situation. Et puis le lendemain, il y a d'autres hommes qui arrivent et qui essayent de l'humilier publiquement en lui jetant des billets à la gueule et en lui disant carrément que c'est une pute. Alors que c'est pas du tout une pute, c'est juste quelqu'un qui est là dans un salon de massage. Et du coup, elle va se révolter voilà, je vais pas trop en dire, mais elle va prendre un couteau et puis commencer à se révolter. On se croirait dans La Femme Scorpion. Il y a des plans où tu vois son visage en sang, son couteau à la main et tout ça. C'est vachement sympa ce qu'il en fait, je trouve. On voit que le mec essaye d'aller au-delà de l'objet social pour aller un petit peu dans le genre cinématographique à chaque fois et c'est bien. La quatrième partie, je suis un peu plus mitigé comme la deuxième. C'est une partie assez faible. C'est une partie où on voit qu'il essaye d'aller dans une espèce de comédie romantique. Le problème, c'est qu'il en fait pas grand chose. C'est pas très intéressant. Ça enfonce des portes ouvertes du coup sur cette espèce de jeunesse perdue qui travaille dans des usines pour trois fois rien, ou alors qui va se prostituer, que ce soit dans leur travail ou alors se prostituer de façon premier degré à des hommes dans des espèces d'hôtels de passe et tout ça. J'ai trouvé ça pas super intéressant. Il en fait pas grand chose. Donc au final le film est intéressant mais a des parties complètement inégales. D'ailleurs je trouve que le film est assez mal vendu au final parce qu'il nous sort une bande-annonce en France où tout attend un espèce de film de genre. Alors oui, comme j'ai dit, il y a une espèce de partie où le film va un petit peu dans le film de genre. Mais au final, quand on voit la bande-annonce, on s'attend à voir un espèce de film de gangster chinois. Alors après, comme j'ai dit, on voit qu'ils essayent de faire des espèces de liaisons entre les parties qui est pas vraiment nécessaire. Au final, je trouve que le film aurait pu faire quelque chose de plus poussé à ce niveau-là. Surtout qu'on voit que vers la fin, ils essayent de faire un espèce de tout éliage avec l'entreprise qu'on voit au début et qu'on retrouve à la fin, alors que tu vois pas ce que ça vient foutre là, quand on s'en fout clairement. Et la fin est clairement ratée, je trouve. Après, c'est un film sympathique, mais vu le buzz qui l'entoure, après, je sais pas si ça vient de Cannes ou si ça vient... Y a des acteurs récurrents dans chacun des sketchs? Non, pas du tout, c'est des acteurs différents à chaque fois. Il y a même des espèces de relais à chaque fois, c'est à la fin d'un sketch, tu vois l'acteur du deuxième sketch qui est dans le bus avec l'acteur du premier sketch, enfin, c'est des espèces de liens à la con qui n'ont pas trop lieu d'être. On voit qu'il essaie de faire un truc tout éliage, mais... Il aurait peut-être mieux fait de faire un fil rouge entre chaque sketch. Ouais, non, clairement, ils auraient gagné à faire un film rouge, mais je sais pas, de placer ça dans le même lieu ou de... C'est trop dispersé, enfin, il y a... En fait, les quatre sketchs auraient été de qualité constante, tu vois, ça m'aurait pas dérangé le côté sketch, mais là, il y a tellement des sketchs qui sont plus intéressants que d'autres, enfin, il y en a deux qui sont super, il y en a deux qui sont nasses, quoi, c'est pour faire les choses simplement, et ça perd un peu en intensité, je trouve. Donc voilà, on va s'arrêter là-dessus pour les sorties cinéma de la semaine. On va maintenant passer à la découverte de l'émission et c'est une étrange affaire et c'est Jack qui va nous en parler. À votre avis, ça sert à quoi la publicité? Ça sert à faire vendre. Bon, je vais m'expliquer autrement. Pour moi, les magasins tournent mal. Le chiffre d'affaires n'est pas mauvais, je sais bien. Mais on joue petit bras ici. Je me suis donné un an pour redresser la barre. Faut être les premiers, Louis. Les premiers. Sinon, à quoi bon? Hein? Quoi? Vous pensez aux grandes surfaces? Sachez, Louis, que je n'ai pas l'intention de me laisser enculer par les mammouths. Mais nous avons des atouts. Un emplacement inestimable, la diversification de nos produits... Et enfin les vendeurs, parce qu'ils sont épatants les vendeurs, vous savez. Ils sont en première ligne. S'ils flanchent, on s'écroule. François Lang m'a signalé un peu de coulage ou quelques défaillances isolées. Mais Paul réglera ça. Donc, une étrange affaire, un film que Logan m'a fait connaître et qui est vraiment pas mal, très très méconnu dans le cinéma français, malgré le fait qu'il ait quand même raflé le prix Louis de Luc. Donc le prix Louis de Luc, en gros j'explique vite fait, c'est une sorte de prix Goncourt du cinéma, c'est un peu le pendant discret de la Palme d'Or, qui est remis par le président du Festival de Cannes. Et donc il a gagné ce prix, et c'est une adaptation du roman Affaires étrangères de... Alors, je sais plus comment il s'appelle, le mec Jean-Marc Roberts. Savoir qu'à partir de ce travail... de collaboration, ils vont refaire Defer et Roberts, ils vont refaire trois films ensemble, et Roberts va même travailler pour le père de Defer, qui est également réalisateur, mais un peu plus pour la télévision. Donc c'est une collaboration fructueuse. Le film, lui, traite d'un patron qui doit arriver dans une société un peu en
en perdition, qui doit redresser la barre. Le problème, c'est que il va se retrouver à devoir prendre des choix de licencier des personnes. Et il est un peu tyrannique. Alors, ce que j'adore ce qu'en fait de faire, c'est que il le présente pas tout de suite. Il nous laisse deviner l'image du patron que ça peut être en distillant quelques indices par-ci par-là. On sait qu'il a travaillé dans telle branche avant. On connaît quelques traits de son caractère, mais on le voit jamais. On le voit seulement au bout de 20 minutes. Et son apparition, elle est géniale. Il est dans le bureau de Gérard Lanvin. Il le prend de court et il est vraiment un manipulateur né. Et le fait qu'ils soient incarnés par Michel Piccoli, qui est charismatique en diable, c'est vraiment énorme. Et je trouve que le choix de Gérard Lanvin dans l'employé qui va se faire manipuler, c'est une idée géniale, parce qu'il a l'habitude normalement des rôles un peu moins subtils, on va dire, un peu plus bruts de décoffrage, des mecs un peu plus épais quand même en termes sentimentaux. Et là, il va se faire manipuler et ça va augmenter le charisme du patron, qu'il arrive à s'approprier un mec comme ça avec une carrure pareille. Même si ça se passe dans les années 80, il y a vraiment un vrai écho à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde du travail. C'est-à-dire, on est toujours en train de pousser les employés jusqu'au bout de leur force, avec des deadlines un peu meurtrières. On leur donne l'envie d'aller plus loin, d'être carriériste. On leur demande beaucoup trop. Le mec, il va en perdre ses amis, sa famille et aussi sa femme, et c'est vraiment une descente aux enfers, et c'est une critique sociale, mais ça vire dans le film psychologique et voire quasi fantastique dans le final. Et d'ailleurs, le final, il m'a vachement rappelé la fin de Une affaire de goût, et je trouve que les deux films en diptyque, ça peut donner un bon truc, parce que ça reste quand même une confrontation entre deux personnes complètement différentes, où l'un va devoir s'échapper de l'emprise que l'autre a sur lui. Le seul moyen qui lui reste, c'est-à-dire le meurtre. C'est pas du tout le sujet d'une étrange affaire, c'est plus une affaire de goût. Mais Une étrange affaire, il est vraiment un conseiller à mettre entre toutes les mains, parce que c'est un film oublié et je vois pas en quoi il mérite vraiment sa place dans les grands films des années 80, les films français. Moi, je pense que s'il est oublié, c'est parce que il prend complètement à contre-pied la nouvelle vague française. Très réaliste, c'est un cinéma un peu vérité. Donc c'est vrai que là-dessus, ça s'accorde pas trop avec ce qui se faisait à l'époque. Bon, la nouvelle vague, c'était pas 80 quand même. Il y a encore des Roland quand même. Hein. Ouais, en 80, c'est déjà plus Yves Poisset et compagnie. Ça rentre plus dans... Moi, je trouve qu'il y a sa place dans les années 80. Ouais, un peu comme Jack, c'était bien, assez atypique, c'est peut-être aussi pour ça qu'il est assez oublié, puisque c'est inclassable un peu comme film. C'est ni une comédie, ni un drame, c'est un peu à la lisière des deux, c'est... Finalement, c'est vrai qu'il y a tout ce côté un petit peu dénonciateur du monde du travail, mais c'est assez insidieux. C'est le personnage de Piccoli, c'est pas le patron dictatorial qui demande à ses employés qu'il leur ordonne de faire des heures sup ou quoi. Non, c'est pas comme ça. Lui, il est plus dans la manipulation. Il fait croire à ses employés que c'est ses potes, quoi. Il mange avec eux. Tiens, tenez, je vous invite tous au resto, machin et tout. Alors qu'en fait, plus le film avance, et plus il leur en demande, plus les mecs vont jusqu'à dormir chez lui, quoi, pour bosser. Et tout, enfin des trucs un peu surréalistes quand même dans le monde du travail. Ça, j'ai bien aimé, quoi, ce côté insidieux, mais en même temps, on sait pas pourquoi. C'est-à-dire que jusqu'à la fin du film, j'ai pas compris pourquoi Piccoli, quelque part, se comportait comme ça. À la fin, tu sais pas trop pourquoi. C'est pour le plaisir de manipuler, on voit que c'est pour le plaisir du sport, quoi. Ouais, voilà, ouais, je crois que c'est ça, parce qu'il y a même pas faire plus de fric, ou enfin, c'est pas une considération qui a l'air de particulièrement l'inquiéter, quoi, pour un patron. Lui, ouais, on dirait que c'est plus un jeu. Ouais, c'est un jeu. Il aime bien manipuler les gens. Ouais, il se place un peu en perte de substitution quand même, hein, parce que oui. Le mec Gérard Lanvin, son personnage qui a perdu son père, enfin qui a perdu tout contact avec son père. Piccoli va essayer de le remplacer, il est plein de petites attentions, il l'emmène au resto, il va à la pharmacie. Ah oui, complètement, puis le perso de Lanvin a une totale fascination pour le perso de Piccoli, à tel point qu'à la fin, tu as l'impression qu'il est même plus triste que quand sa femme est partie, quoi. Enfin, je sais pas, il y a un côté un peu, qui va au-delà, qui est peut-être la représentation de l'image paternelle, comme s'il l'avait abandonné, ou peut-être t'as vraiment quelque chose de cet ordre-là qui est un peu... Ouais, le film, il est très bizarre, le ton est très...
C'est jamais trop s'il faut en rigoler ou... Ouais, je sais pas, c'est intéressant comme film. D'ailleurs, ça m'étonne qu'on voit jamais ce genre de film. Je comprends pas, la télé, c'est tout le temps les mêmes merdes qu'on nous passe. Pourquoi on nous passe pas ça sur... que ce soit sur le service public ou autre, d'ailleurs. Mais des chaînes comme France 2, France 3, je comprends pas qu'on voit pas ce genre de film plus souvent. Parce qu'en plus, les sujets sont d'actualité, quoi, toujours. Donc, moi, ça, je sais pas, je trouve que ça serait des films plus intéressants à nous passer que nous mettre, pour la 250e fois, les sous-doués en vacances, quoi. Ah, c'est pas faux, non, mais ce film, il est complètement oublié. Moi, je l'ai revu, c'était en rétrospectif à l'Étrange Festival. C'est là que j'ai découvert, c'est il y a 3 ou 4 ans, je crois. Mais sinon, le film est complètement oublié. Le DVD est épuisé depuis 3 ou 4 ans. Il n'a jamais été réédité. J'en avais jamais entendu parler de ce film. Ah ouais, non, c'est même pas un des films les plus connus de Brian De Palma. Piccoli, Gérard Lanvin, Nathalie Baye, aujourd'hui il ferait un film, il ferait tous les JT. Mais par contre, le film, personne ne le connaît. Moi, j'avais jamais entendu parler de ce film. Très bon. Puis alors, bon, on n'a pas trop parlé des acteurs, mais Piccoli, vraiment très très bon, quoi. Alors, Lanvin, un peu sur la défensive. On a plus l'habitude de le voir jouer un peu les gros bras plus en avant, et là il est tout effacé, quoi, finalement. Ah, c'est un de ses premiers rôles aussi, il faut rappeler. Oui, 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 bien sûr. Non, mais puis c'est voulu par le film. L'aura de Piccoli est tellement forte, c'est voulu, quoi, dans le scénario. Donc c'est bien que ça soit comme ça, justement. Lanvin pourrait plus le jouer aujourd'hui, ce personnage-là. Il est trop carré. Ah oui, clairement. Il pourrait plus jouer le mec qui se laisserait un peu emmerder par son patron, quoi. Quand tu le vois dans Les Lyonnais, tu vas pas aller le chercher, Gérard Lanvin, quoi. Donc, mais là, il est très très bien, quoi. Il est un peu, tu vois, un peu gauche, quoi. Enfin, tu vois, des fois, il est pas très à l'aise, on sent qu'il est pas encore, mais ça colle vachement bien avec le perso, quoi. C'est vraiment très bien. Nathalie Baye aussi, plutôt bonne dans le film. Enfin, vraiment, J'ai adoré le personnage de Nathalie Baye, justement. Une femme forte qui pas marcher sur les pieds, qui est vraiment pas dupe. Complètement. Elle est exceptionnelle dedans. Et par rapport au mari, quoi, qui prend une place, tu vois, d'habitude, on nous montre quand même plutôt le mari, en général, par rapport à son travail, c'est pas la femme qui va lui dire comment faut se comporter ou machin. C'est elle qui mène un peu le truc et qui lui dit là, attention, quoi, là, t'es en train de mettre le pied dans quelque chose. T'es en train de mettre complètement de côté tout le reste pour ton travail, quoi. Et ce qui est intéressant, on n'a pas parlé, c'est... ces deux lieutenants, un petit peu, qui sont Balmer et Calfon. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'il en fait. Au final, il prend un peu comme s'il prenait les deux, le personnage de Piccoli, qui mettait un petit peu ces deux personnalités dans ces deux personnages. Ça veut dire qu'on a Calfon qui est un espèce de manipulateur comme Piccoli. T'as Balmer qui est dans le jeu, mais qui est un peu conscient de ce qui se passe et qui essaie pas de protéger, qui essaie pas de protéger Lanvin, mais qui est un petit peu froid avec lui en lui faisant comprendre inconsciemment donc quoi, ouais, il est en train de se mettre, quoi, alors que Calfon, il est plus dans le ouais, viens, t'es mon pote, on va manger ensemble. Et j'ai trouvé ça intéressant qu'il essaye de pas rendre unilatérale la relation entre Piccoli et puis Lanvin, et qu'il essaye d'intégrer des gens au-dessus, enfin plutôt en dessous de deux, qui essaye de montrer un petit peu d'un certain côté le futur de Lanvin. C'est clairement Calfon, on voit qu'il est passé un petit peu par le même processus. Qui essaie de montrer un peu le son futur, et même Balmer, tu vois qu'il a plus de recul là-dessus et qu'il prend ça un petit peu par-dessus la jambe en profitant de ce qui se passe, mais que dans son comportement avec tout le monde, il est clairement conscient de ce qui se passe et qui rentre pas dans ces jeux-là, quoi. J'aime bien ces personnages-là, justement. On sait pas trop s'ils sont comme Lanvin, c'est-à-dire des gens qu'il a recueillis dans d'autres entreprises dans lesquelles il a travaillé. Et Calfon qui serait l'avant-dernier, et l'autre, je sais plus, le tout premier qu'il a récupéré, c'est des bras droits qui se récupèrent à chaque fois. Ah oui, c'est un peu ça, mais comme dit Logan, autant Calfon, tu sens que c'est clairement son... Enfin, tu te demandes même s'il est pas amoureux de lui, quoi, parce que c'est vraiment... T'as pas vu Bertrand, machin, enfin tu vois, il est tout le temps... Il est totalement fasciné par le mec, quoi. Et l'autre qui se permet des petites... l'autre, par exemple, quand il dit, tiens, bah moi je pars du bureau, là c'est bon, j'ai des trucs à faire, je me casse, il se barre, quoi. Alors que les autres, enfin, Calfon, c'est impossible, il peut pas dire non au boss, quoi. C'est son toutou, quoi, vraiment. Donc, il y a ce côté-là. Bon, Calfon, il est un peu irritant dans le film, parce qu'il le joue très... il a un jeu particulier, puis alors il a une coupe magnifique. Mais c'est un film inconnu qu'il faut quand même... qu'il faut remettre un peu au goût du loup, parce que... Je cache pas que c'est un de mes films français préférés, moi, personnellement. Il y a plein de bons films français qu'on entend jamais, enfin vraiment, dont on n'entend jamais parler, et puis au final, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de bons trucs, même encore plutôt récemment, parce que celui-là, il est pas si vieux que ça. Bah, surtout, Granier de Fer, sauf pour le cinéphile averti, a jamais vraiment été considéré comme un auteur en France, et à mon avis, c'est celui qui a porté préjudice. Son film le plus connu, je crois, c'est...
Le chat avec Gabin et Signoret qui, ah, est, oui. qui est une immondice pour moi, enfin je déteste ce film. Ah c'est glauque. Ah, ouais, moi j'avais des l'ambiance est pesante. Ah oui, c'est moins qu'on puisse dire, c'est deux personnages qui font la gueule pendant une heure et demie. Moi je sais que ce film j'avais pas du tout aimé, pourtant j'aime beaucoup Gabin et Signoret, mais c'est vrai que de faire il a pas cette aura qu'a certains cinéastes, et du coup je pense que ça lui a porté préjudice. Il y a plein de petits films de lui qui sont invisibles ou inconnu et qui mériterait, je pense, d'être sorti de l'oubli. Se lancer dans l'édition de DVD. Ouais, on va s'arrêter là-dessus et on va maintenant passer au conseil de l'émission, et c'est Jet qui va commencer. Ben, moi, je vais vous parler de Victime. C'est un film assez méconnu d'un réalisateur que je tiens en haute estime, qui est Ringo Lam. Il s'agit en fait du dernier volet de sa trilogie post-rétrocession. Donc une série de films qu'il a tourné tout de suite après sa première expérience américaine en allant tourner Risque Maximum pour le compte de Van Damme. Donc il revient au bercail alors que toute la haute garde hongkongaise en est allée, à la fois par peur de la rétrocession, mais surtout aussi pour se frotter au marché occidental. Je pense à John Woo, Kirk Kong, Tsui Hark, René Yu et j'en passe. C'est donc dans un moment assez critique que Victime s'est tourné. Ça se sent vraiment dans les thématiques plutôt sombres du film. On y évoque une crise, la crise financière de l'époque, parce que le film date de 1999, et le profond désespoir qu'elle a engendré derrière. Mais la particularité du film réside dans le basculement du genre fantastique, ou plus précisément du film de fantôme qui cartonnait à l'époque de la sortie du film. C'était le temps où Ring c'était soi-disant génial. Et il le mélange au polar urbain sous influence de William Friedkin. Comme son homologue américain, Lam, c'est un réalisateur qui croit pas au miracle, qui croit pas à l'ésotérisme, qui croit pas au héros, et qui donne toujours une image complètement démystifiée du genre qu'il incarne, à l'instar de ces personnages qui sont toujours sur le fil du rasoir, tant dans leur vie personnelle que privée, des personnages qui ne croient vraiment plus en rien, quoi. Sans vouloir spoiler le film, parce que le film, voilà, il a un twist dedans qui fait vraiment toute la différence, donc je peux pas trop vous le spoiler. Victime, c'est un peu la marque d'un auteur qui a su survivre dans un système fonctionnant par mode, mais il a toujours su avoir un temps d'avance sur ses confrères, et surtout ce petit cynisme assez malin qui lui permet de détruire avec rage tous les codes imposés de son industrie. En gros, si comme moi, la J-Horror, ça vous emmerde, eh ben, Victime, c'est un film qui va vous venger de ça, parce que ça a pourri, on peut le dire facilement, 10 ans de cinéma asiatique, à quelques exceptions près, je pense à Darkwater notamment. Un vrai faux film de fantôme qui se transforme en brûlot social impitoyable, comme on en voit trop peu, quoi. C'est vraiment un film, pour ma part, que je vous conseille. D'ailleurs, il est sorti dans la collection Asian Star de Jean-Pierre Dionnet, dans une copie, on va dire, plutôt correcte. Malheureusement, ils n'ont pas sorti les deux autres films de la trilogie, donc Full Alert et The Suspect. Malheureusement, on les trouve qu'en import et pas dans des super éditions. Donc voilà, si vous avez l'occasion malgré tout de les découvrir, ces deux-là, je vous les conseille surtout. Je conseille surtout de choper Full Alert, qui est, à mon sens, le meilleur film de la trilogie. Mais Victime, voilà, comme là, c'est le seul qui est disponible en français, ben, je vous conseillerais de vous tourner vers celui-là, quoi. Voilà, on va maintenant passer à mon conseil. C'est deux choses à acheter. Déjà, on va passer un petit peu au livre avec le livre de Bertrand Tavernier, qui est ami américain, qui est paru chez Actes Sud. C'est un livre qu'il a écrit donc sur entre 20 et 30 ans, pendant sa période un peu cinéphile, quand il était au début de sa carrière de cinéaste, mais qui n'était pas encore cinéaste, il venait juste de tourner L'Horloger de Saint-Paul. Enfin, c'est vraiment un livre qu'il a écrit pendant une très très longue période. Dans sa préface d'ailleurs, qui est une trentaine de pages d'entretien avec lui, qui sont vraiment passionnants, il explique qu'il a voulu mettre en avant plus des cinéastes moins évidents, même si on a quand même Ford, on a Tarantino et puis d'autres grands noms qui viennent se rejoindre, mais c'est plus des cinéastes qui ont un rapport assez étroit avec la série B, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de cinéastes de western, de films noirs et de genres populaires, c'est-à-dire qu'on a Ford, on a Tourneur, on a Hathaway, on a des mecs comme Robert Parrish ou alors Houston. On a aussi quelques cinéastes plus récents, on a par exemple Joe Dante, on a Alexander Payne et donc Tarantino. En tout, il y a une bonne vingtaine de cinéastes. Il n'y a pas Corman ? Si, je crois qu'il y a Corman aussi. Enfin, il y a Corman. Ah, c'est cool ça. Donc voilà, savoir que c'est une deuxième édition, il avait une première qu'il avait sortie il y a 10-15 ans. C'est une édition qu'il a complètement enrichie et qu'il a éditée parce qu'il y a des fois... il a revu certains cinéastes à la hausse ou alors à la baisse en fonction de la disponibilité des films, parce qu'il faut dire ce qu'il y a maintenant à l'époque à laquelle on vit, c'est pas du tout la même époque
qu'à laquelle il était habitué il y a 15-20 ans au niveau de la cinéphilie, c'est-à-dire qu'on a plus accès aux films, que ce soit en support internet, en cinémathèque ou autre. C'est pas des maintenant les films introuvables existent encore, mais c'est quand même plus rare qu'il y a 15-20 ans. Maintenant, si on veut avoir une vision globale de l'œuvre d'un auteur, c'est beaucoup plus facile. Donc on voit qu'il a pris ça en compte et qu'il a même fait des petits passages explicatifs où il explique les différences entre entre ces deux discours qu'ont donc changé. Sur les réalisateurs en soi, on a chaque partie qui varie un peu. Ça veut dire que Ford il y a 50-60 pages. Sur d'autres cinéastes, il y a une dizaine de pages. Ça dépend vraiment de l'importance qu'ont eu les cinéastes vis-à-vis du cinéma, mais pas que. Ça veut dire aussi de l'importance qu'il a eu vis-à-vis des entretiens qu'ils ont eu avec Tavernier, ou à savoir qu'il y a beaucoup de cinéastes qui sont morts entre-temps, donc il n'a pas eu le temps de vraiment poursuivre ces entretiens. C'est beaucoup de cinéastes qui sont morts dans les années 70. Au niveau de chaque paragraphe, il y a une espèce de mélange d'entretiens informels qu'ils ont avec Tavernier. Ça veut dire que c'est pas du tout des entretiens qu'on voit par exemple dans Première, dans Sophie, ou qu'on voit dans les cahiers, non, c'est pas du tout ce genre d'entretien, c'est plus des entretiens informels, comme si tu les avais en face de toi, que c'était tes potes, qui parlaient de leur film, qui parlaient de leur vision politique, qui parlaient de leur façon de faire. C'est très intéressant parce que ça change beaucoup du discours aseptisé qu'on a de pas mal de cinéastes actuels, et du coup, ça donne vraiment une vision assez intéressante des cinéastes. Par exemple, moi, Ford, qui est pas un mec que j'aime spécialement, j'ai lu les 60 pages qui lui sont consacrées avec un plaisir non dissimulé. J'ai appris plein de choses sur le mec. Il y a plein de choses que j'avais zappées sur ses films et que du coup, je vais revoir clairement à la hausse vis-à-vis des thèmes qu'ils ont abordés entre eux. Après, il y a aussi une dizaine de pages à chaque fois de Tavernier qui explique la relation qu'il a avec ce cinéaste, la relation avec dans quelles conditions il les a rencontrés. On voit par exemple que je reviens encore à Ford, la rencontre qu'il a eue avec lui était assez compliquée parce qu'il l'a vu à la fin de sa carrière, il était complètement alcoolique, c'est pas du tout la vision du Ford des années 40 ou 50 qu'on avait. Ça veut dire qu'ils avaient besoin de le cadrer complètement, qu'il était dans un état et qui clamait à chaque fois qu'il ferait plus jamais de film, que sa carrière était finie, enfin, et c'était des entretiens qui n'étaient pas très faciles à mener, donc, et il explique à chaque fois donc le contexte, et c'était très intéressant de voir expliquer ça avant dans l'entretien, donc du coup ça permet de voir dans quel contexte ont été faits les entretiens. Après, il y a une vingtaine de pages d'analyse de Tavernier de lui-même qui revient donc sur le cinéaste. Le livre est très intéressant parce qu'il permet aussi de découvrir pas mal de films moins évidents et plus obscurs que moi, par exemple, que j'avais pas découvert, même si je connais certains cinéastes comme Hathaway ou Robert Parrish, que j'avais envie de découvrir en lisant ces textes, qui sont des films donc qui sont pas trouvables de toute façon en France, qu'il faut passer par des moyens de détourner, je le cache pas, pour les voir, mais du coup, c'est des films qui ont pas des grosses réputations. Mais que quand t'as Tavernier qui t'en parle de façon, on dirait qu'il est amoureux du film pendant plusieurs pages, bah automatiquement ça donne envie de les voir. Après, bon, il a tendance un peu à en rajouter, on en avait déjà parlé dans des émissions ultérieures, donc du coup, bon, faut un peu trier un petit peu ce qu'il dit. Après, il y a pas trop de réalisateurs ça traite pas du tout du nouvel Hollywood par exemple, et ça se sent beaucoup sur une période donnée, quoi. Faut être conscient que quand on achètera ce livre, c'est un livre qui traitera essentiellement donc des années 30 aux années 60, 70, en étant assez large, parce que le livre traite beaucoup des années 40, 50. C'est les trois quarts du livre, c'est ça, quoi. Mais voilà, si on se passionne pour ces réalisateurs qui sont pas des gros réalisateurs en soi, c'est des réalisateurs qui sont importants de ces années-là, mais c'est des réalisateurs qu'on entend moins parler que d'autres. Ça veut dire que là, ça traite pas de Fuller, ça traite pas de réalisateurs comme ça, qui ont déjà eu plusieurs livres à leur actif, ou à leur Aldrich, ou des mecs comme ça, quoi. C'est pas du tout ça, c'est des cinéastes qu'on connaît, c'est des cinéastes dont on a vu obligatoirement un film si ça s'intéresse à cette période. Mais voilà, c'est des réalisateurs qui n'ont pas eu de livre, vous analysez à leur actif, et c'est un livre nécessaire pour ça, et qu'il faut acheter pour moi. Et voilà, je voulais parler de ça, et je voulais aussi parler d'une série de Boardwalk Empire que je suis en train de regarder en ce moment, donc de Terrence Winter, qui a écrit le Loup de Wall Street, et qui a écrit entre autres également les dernières saisons des Sopranos, donc je suis pas un grand fan, donc du coup j'étais pas du tout pressé de découvrir cette série. Pour tout dire d'ailleurs, j'ai dû revoir le pilote à 3 ou 4 reprises sur 2 ans avant de me décider de m'investir pleinement dans la série, d'aller un peu plus loin que le pilote qui avait été réalisé par Scorsese à l'époque. D'ailleurs, pour parler du pilote qui a été réalisé par Scorsese, je le trouve pas excellent. C'est un petit peu les dangers, je trouve, des séries maintenant qui sont réalisées à chaque fois, dont les pilotes sont réalisés par des cinéastes reconnus. C'est un peu comme House of Cards que j'ai vu récemment, qui a été réalisé par
les deux premiers qui ont été réalisés par Fincher, si tu te retrouves face à des prototypes de pilotes qui sont limite réalisés de façon hollywoodienne et qui sont réalisés comme des produits finiques. Mais du coup, comme Tanki sur le reste des épisodes qui sont réalisés plus comme des objets télévisuels, ce qui sont d'ailleurs à la base, mais tu peux pas t'empêcher d'être déçu. Moi, par exemple, j'ai vu House of Cards, j'ai vu les deux premiers qui sont réalisés par Fincher, j'ai trouvé ça brillant de bout en bout. Après, j'ai vu Joel Schumacher à la réalisation, j'ai fait « Ouais, ok okay. » Il y a un sacré... Non, mais tu vois, c'est pas mal. Sacré différentiel. Il y a une sacrée différence, mais du coup, c'est un petit Schumacher peu... Schumacher réalise des épisodes d'House of Cards. Ouais, Fincher. Ouais, il y a même James Foley, il y a des mecs comme ça. Ah ouais, ah bah c'est cool, ça. Il y a des homos dans House of Cards. Qui ? Il y a des homos dans House of Cards. Pas du tout, je comprends pas trop la référence. Mais non, parce que Schumacher, il est guest. Ah ok, d'accord, non, j'avais pas compris. Je ne savais pas cette info, ce qui explique certaines choses. C'est que t'as jamais vu Batman et Robin. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est surtout parce que le mec il s'en est jamais caché, quoi. Schumacher, il le dit souvent en longueur d'interview qu'il est gay, quoi. Je t'apprends que je ne lis pas les interviews de Schumacher, mais c'est toujours quelque chose de bon savoir. Ouais, non, mais comme je disais, il y a une espèce de... Enfin, c'est pas une dérive en soi, mais à force de vendre les séries sur le nom des réalisateurs de cinéma qui viennent y contribuer pour le premier épisode, il y a une espèce de danger, je trouve, qui se forme vis-à-vis de ça, voilà. Enfin, d'ailleurs, il coûte 1 million d'euros, le pilote. Ouais, mais attention, pour Bordeaux le Campire, Scorsese a quand même bossé sur la saison entière, je veux dire, il a quand même bossé sur les scénarios, sur la production en général. Après, il a délégué à d'autres metteurs en scène, mais Scorsese, il a bossé sur toute la série, quoi. Enfin, ah oui, non, bien sûr, de toute façon, la réalisation de Bordeaux le Campire est vraiment loin d'être dégueulasse. C'est des cinéastes, on peut les appeler des cinéastes, c'est des réalisateurs qui ont... Ils ont bossé sur les Sopranos. Prano, Timothy Van Patten, c'est celui qui bosse aussi sur Game of Thrones. Oui, voilà. C'est pas des charlots, les gars. Ah non, pas du tout. C'est des mecs qui sont dans l'écurie HBO depuis leur début, depuis 10 ans. C'est des mecs qui sont vraiment doués. Moi, j'ai rien à faire là-dessus. Hein. Là où j'avais plus de réserves, c'est plus sur la sauvegarde que je voulais rebondir. Parce que là, franchement, quand on passe les deux premiers de Fincher à la suite, il y a un fossé qualitatif qui est hallucinant. Quoi. Moi, ça m'a fait un choc, je te jure. Et pour revenir, ouais, sur Bordeaux Campire, donc comme je disais, c'était pas une série donc, que j'étais pressé de découvrir vis-à-vis de mon aversion des Sopranos que j'ai jamais caché, je déteste complètement les Sopranos. Et du coup, j'étais plutôt satisfait de ce que j'ai vu. Pour l'instant, j'en suis à la moitié de la saison 2, donc pour l'instant, il y a 4 saisons que fait la série. Apparemment, il y aura une 5e saison qui sera peut-être ou peut-être pas la dernière. Ouais, donc pour pitcher un petit peu quand même la série, parce que je l'ai pas du tout pitché, ça revient un petit peu dans les années 1920, pendant la prohibition, c'est la même période par exemple que les Arocubes, n'importe quoi. Je commence à être fatigué de parler. Que les incorruptibles, donc. Et même la série, je trouve, arrive assez brillamment à mêler plusieurs ambiances. Moi, ça m'a fait penser un peu à Miller's Crossing, ça me fait penser un peu même aux Parrains, donc aux incorruptibles. Après, c'est des références qui sont un peu faciles et qui peuvent être un peu écrasantes, mais il y a clairement de ça, je trouve, dans l'ambiance de la série. C'est ça qui est plutôt pas mal, c'est que contrairement aux Sopranos, t'es pas dans une série qui te montre la mafia sous un aspect beauf. Ça veut dire que c'est pas les gros beaufs italiens des Sopranos, là c'est des mecs qui sont clairement plus raffinés, qui ont un rapport avec la femme, qui traite un peu plus d'égal à égal, qui est, je sais pas, il y a quelque chose de plus intéressant qui se fait à ce niveau-là. On flirte avec l'image de la femme fatale, quoi. Ah ouais, non, clairement, moi, il y a le personnage, je pense, par exemple, de la mère du personnage de Gretchen Mol. Ouais, Gretchen Mol, elle est excellente, cette actrice. Franchement, moi, au début, j'étais pas convaincu par son personnage, mais il y a un espèce de personnage qui est là, qui manipule son fils, on ne sait pas trop ce qu'elle en fait. Enfin, je sais pas trop, moi, j'en suis à la saison 2, donc je vois pas trop la finalité de la série, donc ce que j'en dis après ceux qui ont déjà vu la série, ça va les faire rire, je pense, mais on sait pas trop où se positionne le personnage, même le personnage de Kelly MacDonald. Au début, elle est là un petit peu dans un rôle de femme un peu assistée par le personnage de Buscemi, et pas du tout, elle prend plus d'ampleur, on voit qu'elle se prend un petit peu à ce rôle-là, qu'elle se met limite dans le rôle de la femme mafieuse, quoi. Et c'est très intéressant, les personnages féminins. Moi, c'est franchement les plus intéressants des séries que j'ai pu voir. On n'est pas du tout dans le personnage féminin qui est là pour accompagner le personnage dont ils savent pas quoi foutre. Non, là, le personnage féminin participe à l'action. C'est pas du tout une contrainte. C'est vraiment quelque chose. Ils en font des personnages à part entière, et c'est
Et voilà, pour moi, c'est clairement un plus de la série. Même le personnage de Boucheri, tu vois que c'est un personnage qui est pas détestable en soi. C'est, ils en font un personnage avec des failles, ils en font un personnage, même moi, j'en suis pour l'instant, comme j'étais à la moitié de la saison 2. Quand je vois qu'il est trahi de toutes parts, qu'il est là, j'en suis carrément, je sais plus, au 8 ou 9, il y a son père qui vient de mourir, il est trahi de toutes parts, il y a sa femme qui est en train de le tromper, je sais pas, il y a quelque chose de... On est vraiment dans une dimension, pas shakespearienne, mais dans une dimension qui est, je sais pas, ça va beaucoup, beaucoup plus loin que le cercle mafieux qui essaie de vendre le pitch de la série à la base. Après, la série, je trouve, a quelques failles vis-à-vis justement des figures historiques qu'il essaye d'imposer. Ça veut dire qu'on a Al Capone, on a Lucky Luciano, on a, je sais plus comment il s'appelle, Arnold Ronstein, je sais plus comment il s'appelle, Ronstein, le mec de New York, enfin bref. Et il y a trois ou quatre personnages historiques. Et du coup, on voit que Winter, il sait pas trop quoi en faire. Ça veut dire qu'on a divers points de vue. On a un point de vue donc à Atlantic City, on a un point de vue à Chicago, on a un point de vue à New York. Et du coup, c'est complètement disséminé. On a les personnages qui reviennent un épisode sur trois. Il y a des intrigues qu'on quitte le temps d'un épisode, qu'on revoit trois épisodes après. Je sais pas, moi, ça me dérange un peu parce que du coup, on a des personnages, t'as l'impression qu'ils sont sacrifiés un petit peu aux dépens d'autres personnages. Et je serais même tenté de dire que du coup, comme on sait le destin des personnages et qu'on sait très bien qu'il y a 4 ou 5 personnages, il va rien dans leur rêver parce que justement c'est des figures historiques et qu'on sait pertinemment que c'est des mecs qui sont morts à 60, 70 ans de maladie ou autre. Et du coup, ça crée un anti-suspense. Des figures que tu prends plaisir à voir à l'écran, moi je pense apparemment à Al Capone que tu vois à ses débuts. C'est justement une figure que t'as pas l'habitude de voir à ses débuts. C'est une figure que t'as plus l'habitude de voir quand il est installé, quand il est joué sous les traits de Niro ou alors sous de traits variables, quoi. Après, voilà, c'est pas une série, c'est pas un chef-d'œuvre, mais je trouve que c'est franchement la meilleure série HBO que j'ai vue depuis Sur Écoute et The Wire. Et c'est même, pour l'instant, j'ai pas vu la finalité de la série, comme je redis, j'en suis qu'à la saison 2, mais c'est, je trouve que ça a une ampleur scénaristique qui est assez bienvenue, quoi. Ça fait un peu comme Deadwood, je trouve. Ça mêle assez habilement figures historiques et figures qu'on a brodées pour les besoins de la série. Et voilà, c'est comme d'habitude chez HBO. D'ailleurs, tu vois qu'il y a du budget à l'écran. Tu vois que voilà, il y a un casting qui est assez prestigieux. J'en ai pas parlé. Il y a Buscemi, il y a Michael Pitt, il y a Michael Shannon, il y a Kelly MacDonald. C'est que des figures de cinéma qui viennent maintenant se réfugier dans la série télé pour avoir des espèces de rôles à leur hauteur, donc. Et voilà, ouais, moi c'est Boardwalk Empire. Bon, c'est pas une série qui est pas connue du grand public, donc je vais pas la conseiller à grand monde. Je pense que ceux qui ont eu envie de la voir l'auront déjà vue, mais voilà, c'est une série dont je suis assez étonné, je trouve, parce que HBO a tendance à se répéter un petit peu ces dernières années, il y a pas faire des séries très intéressantes, je trouve, mais là, voilà, il se rattrape à mes yeux après avoir un petit peu sacrifié honteusement Deadwood qui avait pas eu de conclusion. Oh, il y a Game of Thrones quand même, mais c'est que toi t'adhères pas trop. Ah non, Game of Thrones, j'aime pas du tout. Bah, moi, ça y est, je m'y suis remis correctement, c'est vraiment génial. Ouais. Faut bien s'y mettre parce qu'au début il y a énormément de persos, donc toute la première saison c'est qu'une présentation de toutes les familles et tout, donc c'est vrai que c'est un petit peu le temps que ça se mette en place, mais dès les derniers épisodes de la saison 1 ça prend de l'ampleur et puis là la 2 c'est énorme, quoi. C'est très bien que tu conseilles Boardwalk Empire parce que moi j'ai les deux saisons en Blu-ray qui sont encore sous blister, donc après à savoir que faut aller voir la série, mais dans l'idée de s'investir parce que c'est HBO qui est derrière. Ah, c'est HBO, quoi. Ouais, HBO, c'est comme The Wire. Ah, ouais. Enfin, faut attendre. C'est au long cours, hein. Ouais, on est vraiment récompensé en fin de série ou, enfin, en fin de saison. Peut-être, faut pas déconner non plus, mais au bout de 5-6 épisodes, pour vraiment voir où ils veulent en venir, pour connaître chaque personnage, voir les finalités de chacun. Ah. Si on y va en se disant, ouais, je vais regarder 3-4 épisodes pour voir où ça va aller, je serais tenté de dire, non, faut vraiment y aller dans l'idée de s'investir, quoi. Ouais, bah, c'est un peu comme pour Game of Thrones, donc, ok. Je m'étais arrêté, je crois, au 5e ou au 6e épisode de la première saison, mais bon, après, c'est parce que j'ai pas eu le temps, depuis après, maintenant je retrouve la motivation. Mais moi aussi, c'est une série qui m'a beaucoup plu, Boardwalk Empire, parce que on voyait qu'on essayait de sortir du cadre de la série télé, mais on gardait justement cette qualité d'écriture, et on voit déjà les arcs narratifs qui se dessinent, quoi. On sait que ça va se construire sur 2 voire 3 saisons, quoi, les histoires, et pas juste sur une dizaine d'épisodes. Et ça, j'aime bien.
C'est une autre écriture HBO quand même que par rapport à la plupart des séries enfin, où justement on est tout dans l'immédiat. Comme j'ai dit avant, Loup de Wall Street, pour moi le syndrome HBO c'est ça, c'est qu'ils sont obligés de te montrer de la chatte et du sein dans toutes les séries quoi. Quand tu vois. Oh les... non, Boardwalk Empire, j'étais assez étonné. Hein, c'est ça que j'aime bien, c'est que pour une fois, ils font pas une série, ils se disent attends, faut qu'on fasse plaisir à notre public, faut le montrer de la chatte et des seins. Non, on essaie de te raconter une vraie histoire parce que moi Game of Thrones, je suis désolé, moi pour le peu que j'en ai vu. Ça m'a pas du tout donné envie de voir le reste, que j'ai l'impression de voir le Seigneur des Anneaux, mais version porno, quoi. C'est pas Spartacus, c'est faut pas déconner. Mais le problème, ça qui m'énerve, c'est que maintenant toutes les séries comme ça, elles se ressemblent toutes, ils sont toujours obligés de te mettre des scènes de cul dedans. Je veux dire, c'est bien une fois de temps en temps, montrer, voilà, qu'on peut faire du hard sur le petit écran, mais il faut aussi qu'à un moment, on essaie de trouver d'autres façons, enfin, qu'on se focalise aussi sur le scénario, qu'on essaie d'écrire des histoires originales, des trucs qui valent un peu le détour, sinon, c'est vraiment bien écrit, mais c'est pareil, c'est au long cours, faut passer le cap quand même des six premiers épisodes où on présente vraiment tout et où ils mettent un peu l'accent sur le cul effectivement au début, mais c'est vachement plus diffus après hein, à ce niveau là puis bon, ça colle quand même un peu aussi avec l'époque et tout, enfin c'est assez féodal, les mecs ils s'emmerdaient pas pour prendre une nana dans un château quoi, enfin tu vois, c'est pas la même époque non plus quoi. Mm-hmm. Moi ce que j'ai entendu Game of Thrones et qui déjà, au-delà de l'aspect fantasy, moi, qui m'attire pas du tout, c'est vraiment un genre que je déteste, ça, je le cache pas. Mais je sais pas, il y a un aspect vignette qu'on m'a raconté, même sur toutes les saisons, ça veut dire que t'as 40 personnages et que du coup, t'as l'impression qu'ils sont tous traités par-dessus la jambe un petit peu, non, c'est pas... Bah, pour l'instant, j'ai pas l'impression, moi, justement, il y a énormément de personnages, mais plus ça va, là, plus ils se tissent tous, ils sont vraiment complexes au fur et à mesure des épisodes, il y a énormément d'arcs qui sont en train de s'ouvrir, là, dans la saison 2, donc je pense que... Ça va prendre un certain temps pour tous les conclure. Après, je pense qu'il y aura au moins 6 ou 7 saisons, Game of Thrones, de toute façon. Ouais. Mais ça a l'air passionnant. Après, faut vraiment aimer l'Heroic Fantasy. Alors, la première saison est pas du tout Heroic Fantasy, c'est plutôt très médiéval. Mais après, là, on sent qu'on va aller vers des trucs plus fantastiques. Ouais. Après, j'espère qu'ils vont surtout avoir toujours le budget et tout pour le faire, parce que la suite va nécessiter des budgets plus conséquents au vu des effets spéciaux qu'il va y avoir. Ouais, passons dans HBO, maintenant il y a trop de détectives qui arrivent, ça va être génial. Là. Ah, ça a l'air énorme. Ah ouais, bah déjà. 8 épisodes en plus, donc c'est court, c'est carré, ça doit être bon. Le ton a l'air, c'est HBO, donc ils vont encore aller loin, mais ça a l'air de bien coller aussi, quoi. Là, ça a l'air d'être une enquête assez glauque, et je pense qu'ils vont pousser encore le bouchon assez loin à ce niveau-là, notamment au niveau de l'écriture. C'est la série que j'attends le plus l'année prochaine. Donc on se retrouve la semaine prochaine avec du sang et des larmes de Peter Berg. On parlera également de sang et des larmes avec Nymphomaniac de Lars von Trier. On parlera également de Walter Mitty de Ben Stiller. Et s'il y a des courageux qui vont voir Oldboy dans l'émission, on en parlera également, mais c'est pas sûr. Moi, pour ma part, je n'irai pas. On fera également le bilan annuel 2013 qu'on devait faire cette émission, mais qu'on fera promis juré la semaine prochaine. Et on vous rappelle également qu'on a mis en place une espèce de concours pour faire gagner 2 exemplaires du Steelbook Blu-ray de Battle Royale qui était paru il y a un an à peu près chez Zavi. Donc voilà, il y a 2 exemplaires à gagner. Donc venez nous rejoindre sur Facebook. Ça prend 2 minutes et il y a 3 petites questions à répondre. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous de nous avoir écoutés. Salut. 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 You're still here? It's over. Go home. Go.